On a fait des essais en tube, simplement parce que ça facilite la fauche des couverts à la débroussailleuse. Juste avant l'implantation des tomates, on a eu une double fauche assez rapprochée pour vraiment calmer tous les couverts, pour que quand on plante les tomates, la tomate puisse rapidement prendre le dessus sur le couvert. Et là, depuis, on a fauché qu'une fois depuis l'implantation, quoi. Avec les menthes, on peut vraiment les faucher 3, 4, 5 fois d'affilée. Ça va les faire complètement caler. Elles vont devenir toutes jaunes, elles vont mettre beaucoup de temps à repartir, mais elles vont pas mourir parce qu'elles ont des très grosses réserves nutritives dans la racine. J'étudie les couverts permanents sur les petites cultures comme les salades. Pour limiter la compétition entre le couvert permanent et la culture légumière. Le pneu fait un microclimat très très intéressant. On avait quand même la nuit un différentiel de 10 degrés entre l'intérieur du pneu et l'atmosphère de la serre. Ce qu'on cherche à déterminer, c'est quelles sont les conditions à la fois en fonction de l'ISB de la matière organique, en fonction de son enfouissement ou pas, en fonction de la présence de vers de terre ou pas. Si on a créé les conditions suffisantes pour que les cultures poussent, ou si on est vraiment dans les mauvaises conditions qui font que la culture va complètement caler, quoi. Bonjour à tous, bienvenue au Serre de Marcel. Donc nous sommes le 21 mai 2024 et on voulait faire une petite vidéo, qui sera peut-être d'ailleurs un peu long puisqu'il y a beaucoup de choses à présenter. On voulait faire une petite vidéo à l'occasion d'une visite des essais pour présenter donc la suite des essais qu'on mène depuis 2 ans au Serre de Marcel, puisque là c'est la 3e saison qu'on produit. Donc il y a des essais qui sont déjà en place depuis 3 ans et on a démarré beaucoup de nouveaux essais cette année. Et donc on voulait en ce début, milieu de saison, faire un petit tour d'horizon de tous les essais qu'on a mis en place et vous présenter les premiers résultats. Vous présenter surtout les protocoles qu'on a mis en place, sachant qu'on va sans doute refaire une vidéo cet été, début août, mi-août, pour là présenter les résultats de tous les protocoles qu'on a mis en place ce printemps. Ici, nous sommes donc dans la serre 1 du site 1 des serres de Marcel, et c'est la 3e année que nous produisons des tomates sur une série d'essais en couvert permanent et en nutrition de matière organique morte. Donc quand on a repris les sols, pour refaire un bref historique, quand on a repris les sols il y a 3 ans, donc c'était des sols très argileux, avec du caillou, du sable, des graviers, et c'était surtout des sols qui n'avaient pas vu d'activité biologique depuis peut-être 30 ans, voire 35 ans. Donc on a refait, on a fait en fin 2021, tout début 2022, des intrants massifs en matière organique, des inoculations de vers de terre épigées. On avait fait à ce moment-là quelques modalités d'essais avec des engrais, avec différents engrais organiques, notamment de la fiente de poule. Et on avait surtout mené les premiers essais en couvert permanent. Et en fait, dès la première saison 2022, les premiers essais en couvert permanent étaient quand même assez intéressants, assez concluants. Et donc très vite, on a généralisé avec de nombreuses modalités d'essais en couvert. Donc la première année, on avait une quinzaine de modalités en couvert permanent, aussi bien avec des plantes annuelles que des plantes pérennes vivaces. Et il s'est avéré très vite que c'était les plantes pérennes qui étaient les plus intéressantes. Il s'est avéré aussi que c'était les plantes les plus poussantes qui étaient les plus intéressantes. Donc quand je dis plus poussantes, c'est les plantes à cycle long. Donc là, ce qu'on a gardé beaucoup sur le site, c'était de la graminée spontanée. Ce qu'on a gardé dans les essais, c'est beaucoup des graminées spontanées de prairie, des menthes, les orties qui se sont invitées. Au début, ça nous a fait un peu peur, et puis au final, ça se gère comme de la menthe, ça change pas, à part que ça pique. Les chardons qui se sont invités aussi. Et donc, on a surtout gardé les modalités menthe, graminée, chardon, ortie. J'ai dit graminée. Et on a quand même multiplié les modalités d'intrants en matière organique morte, puisqu'aujourd'hui, on commence à voir assez clair sur, comment dirais-je, entre nos modalités témoins, où il n'y a pas eu de matière organique ni de couvert depuis 2 ans, et les modalités où on amène de la matière organique morte, on commence à bien voir la différence de croissance, bien voir la différence sur les analyses foliaires. Et je pense qu'on n'a pas encore réussi à vraiment trop nourrir une tomate, encore. Et donc on essaye, c'est-à-dire qu'on essaye de voir avec des sols surfertiles, est-ce que ça peut poser des problèmes ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment de limite. Donc en fait, dans les modalités de matière organique morte, donc on a toujours des modalités témoins où il n'y a
pas d'apport de matière organique ni de couvert depuis donc bientôt 3 ans. On a des modalités où on a essayé différents types de matières organiques avec des indices de stabilité biologique différents. Bah, tu vas présenter un peu plus en détail. Et on a quand même rajouté des modalités où là, on met à volonté de la matière organique. Ça, c'est la grosse nouveauté de cette année. C'est-à-dire qu'on laisse l'activité biologique se développer énormément. Et dès qu'elle a mangé la matière organique, on en remet pour voir si on peut atteindre une limite en termes de fertilité. Et surtout, si on a des sols vraiment trop fertiles, quel impact sur la plante. Voilà, donc sur les essais et les mesures qu'on a fait les années précédentes, donc dès la première année, on a quand même eu des bons résultats, sauf que la première année, bah, comme les couverts étaient en développement, on ne pouvait pas considérer qu'on était vraiment sur une culture en couvert. Néanmoins, en milieu de saison, on avait quand même des couverts bien développés et des tomates qui poussaient quand même. On a renouvelé donc tous les essais l'an dernier, et l'an dernier, c'était assez intéressant puisqu'on a réussi à implanter les tomates dans les couverts qui étaient donc déjà installés depuis presque un an, sans retard de croissance vraiment notable, puisque les plus gros retards de croissance qu'on a eu l'an dernier, c'était 30% sur les diamètres de lianes, en moins sur les couverts très poussants comme la menthe. Donc moins 30% sur les diamètres de lianes et moins 15% sur la croissance des lianes. Donc c'était assez concluant, il n'y avait pas une perte de rendement énorme, sachant qu'on avait laissé s'exprimer l'an dernier quand même les couverts pour justement pouvoir mesurer, quantifier l'ordre de grandeur de cette concurrence du couvert par rapport à la fertilité de nos sols. Donc on avait géré les couverts avec des fauches, mais pas un grand nombre de fauches. Et malgré tout, on a eu que des retards assez légers de croissance, donc de 15% sur les lianes et 30% sur les diamètres de lianes. Donc cette année, on a généralisé sur beaucoup de modalités les couverts. On a essayé de les gérer un peu mieux, les faucher plus, notamment à l'implantation de la culture. Et on constate là déjà à ce stade, malgré tout, encore un léger retard, et ça se voit beaucoup sur les diamètres de lianes. Mais c'est pas mal. Bon, on verra de toute façon cet été ce que nous disent les mesures. 2022, on a aussi mesuré le retour de la biodiversité dans le système. Donc ça, c'était très intéressant, puisque bah, en fait, au fur et à mesure qu'on recréait l'habitat, aussi bien dans le sol, sur le sol, et au fur et à mesure qu'on mettait de la nourriture, bah, on a vu toute la biodiversité revenir. Et cette année, bah, c'est assez général. Il y a de tout, des bestioles dans tous les sens. Donc on ne l'a pas remesuré l'an dernier, mais on voit vraiment tous les compartiments écologiques qui sont revenus. Alors dans les autres innovations cette année sur cette serre, on a fait des essais en tube. En tube, c'est-à-dire qu'en fait la tomate, on ne l'a pas plantée dans le sol, mais on a mis un tube PVC dans le sol. On avait déjà fait un essai l'an dernier qui n'avait pas très bien marché. Cette année-là, on l'a généralisé sur toute une dizaine d'andins. Ça se passe plutôt bien. On a appris de nos erreurs de l'an dernier. Ça pourrait être encore mieux, mais là, les tomates sont belles. Elles ont un bon niveau de croissance. Pourquoi faire pousser les tomates dans des tubes? Simplement parce que ça facilite la fauche des couverts à la débroussailleuse. Et c'est un petit peu plus ergonomique parce que la plantation de la tomate peut se faire plus 15 cm au-dessus du sol, plus 30 ou 40 cm au-dessus du sol. Et ça facilite énormément la gestion. L'autre gros changement cette année, c'est qu'on a mis des sondes tensiométriques qui commandent notre irrigation, puisque jusqu'à présent, les changements d'irrigation, les modifications de l'irrigation, on les faisait à la main en fonction du temps et en fonction de si on avait l'impression que le sol était bien humide ou pas. On s'est rendu compte que ça ne suffisait pas, en tout cas on n'arrivait pas à être assez bien réactif sur la modification de l'irrigation. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est des sols très argileux, qui sont pas drainants. Et donc, en fait, dès qu'on met un tout petit peu trop d'eau, ça sature le sol en eau, on part en anoxie, les sols deviennent hydromorphes. Et c'est vraiment des sols qu'on peut pas gérer à la main, qu'on peut pas gérer au jugé, on n'arrive pas à être assez réactif. Et donc, on est en train de généraliser l'utilisation de sondes tensiométriques sur la totalité du site, enfin la totalité des deux sites, parce qu'on se rend compte que sur des sols plus drainants, on peut réussir à gérer mieux, on peut réussir à gérer à la main l'eau, mais sur des sols argileux, en fait, on n'y arrive pas. Alors, c'est un petit coût quand même, l'installation de ces sondes tensiométriques, puisqu'on est à 200 euros la sonde. Là, sur cette serre, on en a mis deux. Donc, le principe est très simple. On a un petit boîtier, on vous montrera, c'est une sonde de chez Hunter.
On met une consigne, dès que la sonde elle atteint sa consigne, en fait elle coupe l'irrigation. Donc là en fait on a deux irrigations par jour de programmées. Mais tant que les sondes n'ont pas descendu en dessous de leur consigne, ben, en fait les sondes coupent l'irrigation. Et donc l'irrigation se redéclenche que quand les sols ont suffisamment resséché. Et en fait sur les sols argileux, on a vu ça chez d'autres producteurs qui ont traîné ce problème du sol argileux qui part en anoxie. Pendant des années, dès qu'on met des sondes, bah en fait, ça résout vraiment bien le problème. Et clairement, c'est difficile à gérer à la main. Surtout dans des sols où il n'y a pas encore d'année cycle de revenus. Peut-être que là, on est en troisième année de production. On a commencé à les revoir. On a commencé à voir les années cycles revenir. Si dans un an ou dans deux ans, nos sols sont vraiment remplis d'année cycles et qu'ils ont vraiment réussi à décompacter les sols en profondeur, peut-être que cette gestion de l'eau sera plus simple. Mais très clairement, là, depuis deux ans, on a quelques problèmes sanitaires, voire des fois on en a eu beaucoup, qui sont dus à ça, qui sont vraiment dus à une difficulté à gérer l'irrigation avec ces sols très peu drainants. Et donc on va présenter ça un petit peu plus en détail. Quoi d'autre sur nos essais cette année? Bah écoute, vas-y, présente toutes tes mesures. Et donc juste pour repréciser, c'est que l'an dernier, donc on a Pierre Schneider qui était à Polytechnique, qui est venu faire son stage ici, qui nous a fait plein de mesures, donc analyse de sol, analyse de sève. On a commencé à faire des statistiques, on l'a présenté dans une vidéo. Le point le plus important, le plus intéressant qu'on a réussi à montrer l'an dernier, c'est que sur les modalités en couvert, on avait très très, très, très peu de nitrate dans les sols, très très peu de nitrate dans les feuilles, voire quasiment pas du tout sur certaines modalités, alors qu'on avait quand même des croissances tout à fait correctes. Et que par contre, sur les modalités en nutrition, en matière organique morte, on avait beaucoup d'azote, mais en plus, on avait des nitrates qui étaient apparus. Donc, on va essayer de reconfirmer ça cet été, enfin cette année. Et je vais te laisser présenter les autres modalités qu'on a améliorées, changées. Voilà. Alors, l'an dernier, donc pour préciser un petit peu plus, qu'est-ce qu'on a fait comme analyse? On a surtout fait des analyses Novacrop en faisant une solution du sol. On a pris le sol. On en a fait une petite solution avec un protocole de chez nous et on a envoyé ce liquide chez Novacrop comme étant une solution de fertirrigation. Donc c'est une analyse de solution de fertirrigation, mais ça marche très bien. Et on a envoyé donc des feuilles aussi chez Novacrop pour faire des analyses de sève. Pourquoi Novacrop? Bah parce que les analyses, ils les font si on envoie le lundi, on a le résultat le vendredi. C'est les moins chers. Donc on est à 20€ l'analyse, même pas, parce qu'on en fait beaucoup. Et donc ça permet vraiment, pour un prix très raisonnable, de faire des grosses batteries d'analyse et d'avoir des graphiques avec beaucoup de points et de bien voir les tendances et de multiplier les modalités. Donc on a fait surtout ça. On avait fait des analyses de nématodes, des analyses biomaker qu'on va refaire cette année pour voir l'évolution, même si c'est des analyses que je trouve un petit peu moins parlantes. Au moins, elles nous montrent qu'on a des nématodes et nous montre qu'on a de l'activité biologique. Après, là, par contre, c'est beaucoup plus cher, donc on ne peut pas se permettre de multiplier les points pour mesurer les tendances. Mais on va voir au fil des années, malgré tout, entre les modalités couverts, les modalités matière organique morte, l'impact sur les autres compartiments biologiques du sol. Voilà. Bon, alors, pour présenter un peu plus en détail toi aussi. La serre. Ah oui. moi, c'est Thomas. Je suis en stage de fin d'études, hein, j'ai agro et j'ai fait mes études à Rennes, donc agro campus ouest. Et donc là, cette année, je suis le dispositif expérimental et toutes les mesures qu'on fait dans cette serre-là, autour de la tomate. Donc ce qui diffère aussi un petit peu avec l'année dernière, c'est que déjà, là, maintenant, on n'a plus que de la tomate, une seule variété sur toute la serre. Et donc toutes les expérimentations, toutes les modalités qu'on a, c'est on compare une seule variété. L'année dernière, il y avait plus de différentes variétés et puis il y avait aussi des concombres sur le bloc avec les tubes. Donc le site, là, on a 5 gros blocs d'expérimentation avec des andins, avec 11 andins par bloc, sauf celui-là où il y en a 12. Et c'est un peu séparé en le premier bloc qui est plutôt apport de matière organique morte au sol. Un deuxième bloc où on a différentes modalités. On a de la matière organique morte, mais aussi des couverts permanents. Ce bloc-là, qui est plutôt un bloc avec des couverts permanents de graminées et de mélange gazon qu'on a semé cette année, et d'autres graminées qui étaient là l'année dernière. Un bloc ici où c'est un peu plus hétérogène, où on a différentes modalités aussi. Et le bloc 15, où on mesure rien, mais où on a la modalité avec les tubes,
qui sont du coup un peu plus pour faciliter la gestion des couverts et qui vont être intéressants pour préciser, enfin pour essayer d'optimiser vraiment cette gestion des couverts au niveau de toute la culture, parce que c'est beaucoup plus facile de passer à des broussailleuses là où on a les tubes, alors que sur les andins où on n'a pas les tubes, il faut faire très attention à pas niquer les pieds de tomates. Du coup, on va mesurer cette année 25 andins différents. Donc sur chaque andin, on mesure que les plants du milieu de l'andin, donc 6 plants par andin, pour éviter les effets bords. Et évidemment, on ne mesure pas les premiers andins qui sont aussi pour là aussi éviter les effets bords. Et donc sur tous les blocs qu'on a là, on a donc j'ai là trois andins au total où on a une modalité zéro apport de BRF. Donc depuis la première année, on n'a rien réapporté. Sachant Trois que peut-être autres. pour le repréciser, la première année, on avait donc les sols étaient morts. Ce qu'il faut voir, c'est que les sols en fait étaient 10 cm en dessous des dalles de béton. Et donc on a fait des gros andains de branches broyées qui d'ailleurs n'étaient pas assez compostées. On a eu une petite fin d'azote sympathique de 2 mois la première année. Mais donc c'était équivalent en apport de matière organique, ça a été équivalent à 2000 tonnes hectare. Donc on a fait sur chaque modalité, un andin à peu près équivalent à 2000 tonnes de matière organique hectare. Donc ça faisait un andin gros comme ça, quoi, épais comme ça, sur 70 cm de large. Putain, la caméra est là. Et on avait mis de la fiente de poule mélangée dans cette matière organique morte pour essayer justement qu'on n'ait pas trop de problèmes de fin d'azote. Bon, en fait, on en a une, mais assez courte. Par contre, après, ça a très bien démarré. Si la matière organique avait été un peu plus compostée, on n'aurait pas eu ce problème-là, et les dosages de fientes de poule qu'on avait fait étaient corrects, ni en excès, ni pas assez, et ça aurait bien fonctionné si la matière organique avait été un peu moins fraîche. Et sachant aussi que cette matière organique n'a pas été enfouie dans le sol, puisqu'on a essayé avec un petit tracteur Kubota de travailler sur les andins, mais c'était vraiment trop compliqué avec les poteaux, avec tout, c'était impossible. Donc on a pris le parti de juste la mettre en surface, cette matière organique. Je tiens à rappeler, quelque chose de peut-être assez intéressant, c'est quand vous faites des apports en matière organique morte comme ça, au début, vous avez une matière organique qui, quand vous achetez une matière organique semi-compostée, vous allez avoir un CSUREN entre 10 si elle est très bien compostée et 50 si elle est vraiment très peu compostée. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce soit du compost ou des déchets verts broyés que vous mettez en andin comme ça, au bout de 2 ans de décomposition, vous obtenez un sol à peu près entre 15, un sol avec 75-80% de minéral, voire 85%, et donc un sol avec 10, 15, 20% de matière organique. Donc en fait, si vous mettez 100% de matière organique, même si vous ne rajoutez pas de terre ou vous ne rajoutez pas d'argile, ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans la matière organique que vous achetez initialement, il y a quand même une certaine part de minéral. Et comme la matière organique minéralise, d'ailleurs les andins, ils sont passés de cette hauteur-là à cette hauteur-là. À la fin, vous perdez énormément de carbone, mais vous gardez le minéral. Donc, si vous reconstruisez un sol avec du compost ou des déchets verts, une fois que tout ça s'est décomposé, en fait, vous obtenez quand même un sol avec à peu près 80% de minéral et 20% de matière organique. Donc, vous obtenez un sol à 20% de matière organique à la fin, dont surtout beaucoup de matière organique stable. Voilà, c'était juste l'aparté. C'est que pour reconstruire un sol, pour faire un faux sol, faut pas avoir peur de mettre 100% de matière organique, parce qu'une fois que c'est décomposé, en fait, ça va juste vous faire un sol à 20% de matière organique. Ce qui en soi n'a rien d'absolument extraordinaire. Donc voilà, petit aparté, juste pour dire que reconstruire un sol avec des matières organiques, 100% de matière organique, à la fin, ça donne quand même un sol. Donc oui, il y a cette base de sol très riche en matière organique sur tous les andins. Et donc on a gardé des modalités qu'on appelle zéro matière organique parce que depuis la première année, on n'a rien réapporté dessus. Et c'est que cette matière organique-là de la première année qui va servir. Et cela, on les mesure aussi comme témoins. Et donc après, on a des andins avec un apport de matière organique. Donc ceux-là, c'est des andins où on en a apporté du BRF. Des andins avec deux apports de matière organique, donc il y en aura un deuxième une fois que le premier apport s'était dégradé pendant la culture, on va en apporter une deuxième fois, et il y en a un qui est en surnutrition, c'est-à-dire que vraiment là, dès qu'on voit que ça s'est dégradé, on réapporte du BRF constamment pendant toute la culture. On a à peu près la même chose avec les gazons, donc on apporte de la tonte fraîche de gazon sur quatre andins qui sont juste derrière moi, et là pareil, on a deux andins où on a fait un apport et on a deux andins qui vont être en surnutrition. On va réapporter du gazon frais pendant tout le cycle de culture. On a aussi des andins en paille,
Donc avec des apports de paille qui est donc là c'était de la paille qu'on avait ici sur le site. Les pailles de blé. La paille de blé, ouais, qui vont être là en un apport. Et donc tout ça, c'est les modalités d'apport de matière organique morte. On a aussi des andains avec de la feuille morte, mais ceux-là, on les mesure pas parce qu'ils sont un peu trop sur les bords, donc on pourra pas les mesurer. Pour préciser, donc ce qu'on a cherché à faire, c'est qu'on a cherché à utiliser en matière organique morte des matières organiques avec des compositions chimiques assez différentes. Donc les gazons, des matières donc à faible indice de stabilité biologique, assez riches en azote, qui vont se décomposer très très vite, donc qui vont facilement être décomposés par les vers de terre. D'ailleurs, les premiers apports qu'on a fait, quand est-ce que tu l'as fait, le premier gros apport de gazon? C'était mi-mars. Mi-mars, oui, il est déjà quasiment mangé. Oui. Il va falloir en mettre et un. Et puis, on a vu que c'était les pots de tomates qui poussaient le plus rapidement aussi. L'apport de paille, de blé, pourquoi? Parce que c'est que la cellulose. Donc là, ce qu'on va chercher à voir, notamment, puisque ça fait partie des hypothèses, c'est que les matières organiques très riches en cellulose peuvent fixer beaucoup d'azote. Donc, je rappelle que la paille de blé, c'est un C sur N de 100. Donc, c'est très, très carboné. Par contre, beaucoup d'essais nous ont montré que c'est bien la consommation des celluloses par les micro-organismes du sol qui peut faire de la fixation biologique d'azote. Donc ça, on va bien le voir parce que la paille, elle est censée avoir un C sur N de 100, donc elle est censée être très très pauvre en azote. Et peut-être, enfin c'est déjà les petits essais qu'on a fait l'an dernier qui nous l'ont montré, il est bien probable qu'on voit malgré tout beaucoup de nitrate dans la plante, alors que sur le sol, on a mis une matière organique très très carbonée. Et ensuite, les essais BRF, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est globalement moitié cellulose, moitié lignine, on va dire, dans les structures carbonées. C'est aussi très pauvre en azote. Donc là, on va bien voir, on l'a déjà vu l'an dernier, beaucoup, beaucoup de BRF amènent beaucoup d'azote, et notamment beaucoup de nitrate. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de fixation biologique. Les feuilles de forêt, c'est un essai peut-être parce que simplement, il y a des producteurs qui peuvent avoir accès à beaucoup de feuilles de forêt. Donc ça peut être intéressant de voir quand même à quelle vitesse ça se décompose, comment ça se passe. Ce qui peut être intéressant, ça on verra, ça peut être difficile de faire des observations, mais les feuilles de forêt, ça peut amener aussi beaucoup de micro-organismes. Parce que oui, c'est pas juste de la feuille, c'est vraiment de la litière forestière qui a été grattée. Donc il y a du champignon, il y a de la feuille, il y a un peu de bois, il y a un peu de branches mortes, il y a beaucoup de choses quoi dans ces litières forestières et on ne sait pas exactement comment vont réagir les sols. Mais c'est un essai. Voilà. Après, ça c'était le couvert mort. Et il y a tous les couverts permanents vivants. Donc, on a trois andins en menthe qui ont été installés déjà l'année dernière. Donc, la menthe est bien développée, bien installée. Le système racinaire est tout à fait a recouvert tout l'andin et c'est très couvrant. Donc, ça produit énormément de biomasse et c'est ça qui est intéressant quand on fauche, c'est de regarder quel apport de biomasse va pouvoir amener la menthe sur ces andins-là. On a les andins en gazon et donc en mélange gazon qui ont été semés cette année. On va pouvoir comparer à deux andins aussi qui ont été semés en graminées l'année dernière. Donc voir s'il y a une différence, si un couvert plus installé qui est déjà là depuis un an va plus ou moins ralentir la croissance des plantes et s'il est plus dynamique ou pas. Et après, on a un andin d'ortie. Là, pareil, c'est parce que les orties se développaient bien et que y a un bel effet couvrant aussi des orties. C'est un peu comme la menthe, c'est des systèmes racinaires qui sont très, très traçants et donc... une belle couverture végétale, donc un apport de biomasse assez conséquent. Et je crois que c'est à peu près tout. C'est tous les deux grosses modalités, c'est quand même la menthe et les graminées, qui sont les plus précises, qui sont les plus poussantes et qui produisent le plus de biomasse. Après, il y a eu pas mal d'essais qui ont été faits et c'est ce qui marche le mieux. Hein, c'est au fur et à mesure des observations, on a vu que la menthe restait, s'implantait bien, que c'était très courant et que c'était assez concurrentiel, donc ça faisait un couvert très homogène. Le mélange gazon, pareil, il est assez beau pour le moment. On va voir si il y aura un suivi des adventices justement cette année pour voir s'il y a une évolution et s'il va être plus ou moins concurrencé par certains adventices. Et ce qui avait été semé les autres années, il y a des endroits où le charbon a complètement remplacé ce qui avait été semé. Donc ça, c'est aussi pour ça qu'on garde certaines modalités et pas d'autres, c'est que naturellement il y a eu une évolution du couvert. Alors dans l'évolution du choix des couverts. Ce qui peut être notable, c'est que c'est vrai qu'on a profité de certaines plantes spontanées comme l'ortie ou le chardon. D'ailleurs, ça m'avait traversé l'esprit la première année de mettre du chardon volontairement. Bon, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, donc je ne l'ai pas fait. Mais ça s'est fait tout seul. C'est fort probable que... Parce que les chardons poussent vraiment fort parce qu'on a un sol compacté hydromorphe dessous. Donc il est probable qu'avec l'amélioration de la gestion de l'irrigation, il soit peut-être plus aussi concurrentiel
On verra, ça c'est une hypothèse. Pourquoi ces plantes sont intéressantes? Alors notamment le chardon, l'ortie et la menthe. C'est vraiment pour leur mode de développement physiologique. C'est à la fois des couverts qu'on peut tondre beaucoup sans qu'ils meurent. C'est-à-dire que les menthes, on peut vraiment les faucher 3 à 4, 5 fois d'affilée. Ça va les faire complètement caler. Elles vont devenir toutes jaunes. Elles vont mettre beaucoup de temps à repartir, mais elles vont pas mourir parce qu'elles ont des très grosses réserves nutritives dans la racine. Donc, c'est des couverts qu'on peut aussi bien gérer avec des fauches régulières, mais assez espacées, où on va laisser le couvert se redévelopper, refaire ses réserves de nutriments dans ses racines, qu'on va même pouvoir laisser monter, enfin se développer jusqu'en début de floraison, pour vraiment qu'elles produisent beaucoup de biomasse, qu'elles aient un fort développement racinaire, qu'elles décompactent le sol, enfin qu'elles fassent leur travail de couvert végétal. Mais c'est aussi des plantes qu'on peut beaucoup faucher, et malgré tout, elles vont survivre. Donc beaucoup fauché, pourquoi c'est intéressant? Bah, parce qu'on va beaucoup les calmer, notamment au moment de l'implantation de la culture. Donc voilà, les menthes, orties, chardon et graminées aussi, dans une certaine mesure. Donc là, on est en train de voir aussi on a quoi comme graminées? C'est un mélange de gazon. Avant, c'était de la fétuque l'année dernière, donc il y a deux andins qui sont encore en fétuque, mais il y a d'autres graminées qui ont pris le dessus. Et là, c'est un mélange de gazon classique, il y a trentaine d'espèces dedans, donc peut-être pas les lister. Oui, 30, tant que ça. Bah, Ah oui, il y en avait beaucoup. sur le pot, oui, c'est normalement, c'est du mélange gazon pour jardin en fait. Voilà. Donc il y a plein de fleurs, il y a des coquelicots, il y a plein de trucs qui poussent. Donc, ce qui va nous intéresser dans les graminées, c'est celles qui vont avoir une capacité à se développer en ayant des racines traçantes et en se redéveloppant, c'est-à-dire des graminées avec une bonne capacité de régénération. À ce stade, on a l'impression que la graminée ne se régénère pas aussi bien que les menthes, ne se régénère pas aussi bien que les orties. Elle n'a pas les mêmes réserves. Et après, c'est aussi l'objectif, c'est pas d'avoir des systèmes racinaires qui descendent trop profond, qui vont pas gêner le système racinaire de la tomate, quoi. Ça, on va voir comment ça se passe. Donc voilà, c'est vraiment ces couverts-là aujourd'hui sur lesquels on concentre notre attention, parce que on peut les gérer de différentes manières. Les deux premières années, on avait fait plusieurs modalités légumineuses, donc luzerne et plusieurs trèfles, trèfle violet, trèfle blanc. Au final, on les a tous supprimés de ce dispositif expérimental. Par contre, on a généralisé l'usage du trèfle blanc sur toutes les autres serres. On fait des cultures d'été en couvert permanent. Donc, c'est tomates, concombres, aubergines, poivrons en couvert. Mais c'est des serres aussi où on va venir mettre des cultures d'hiver l'hiver. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir un couvert d'ortie pour venir planter des salades dans les couverts d'ortie à l'automne. Ça va être un peu compliqué. Oui, ici, le trèfle, il n'a pas tenu, quoi. Voilà. Donc, l'usage de. Alors, aussi, il n'a pas tenu. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi. Je pense que c'est qu'on ne l'a pas assez fauché. On n'a pas assez fauché le trèfle, il ne s'est pas assez La régénéré. qualité du sol est différente. Là, il y a énormément de matière organique. Peut-être que dans les autres serres, Oui, justement, il y en il a aussi. va. Ouais. Non, pour moi, c'est qu'on l'a pas assez fauché et on l'a pas assez fauché. Et au bout d'un moment, il est mort tout seul de sa belle mort. Il a dégénéré sur lui-même. Alors que partout où on le fauche régulièrement, le trèfle, on voit qu'il se régénère, il se redéveloppe. Dans les autres serres, oui. Et donc dans les autres serres, on les fauche très régulièrement. Donc bien garder en tête que l'usage de couverts comme la menthe, les graminées, l'ortie ou les chardons, ça va être des couverts qui sont uniquement utilisables si on fait des grandes cultures dedans, quoi. Donc quand je dis grande culture, c'est vraiment de la culture d'été, concombre, tomate, aubergine, poivron, et même aubergine, poivron, il faut quand même que ce soit des belles plantes. Le haricot peut-être, il arrivera à s'en sortir, mais pour faucher, ça va être simple, simple. Donc voilà, on est vraiment sur des couverts qui sont réservés à l'usage de grandes plantes lianes. Dans la courgette, par exemple, ça va moins bien fonctionner. On va le voir sur les cultures de courgettes, il a fallu qu'on bâche quand même au pied de la courgette. Pour pas être trop embêté par les couverts. Oui, grande plante, parce qu'il faut que rapidement la plante puisse dépasser le couvert et prendre tout l'espace pour la photosynthèse, parce que sinon, si elle se fait concurrencer, c'est impossible de bien démarrer et d'avoir une culture homogène sur toute la saison, quoi. Tu en étais à. Bah après, du coup, ce qu'on va mesurer aussi, peut-être faire un point sur la gestion des couverts, tant qu'on est dedans, mais donc l'idée, c'est de vraiment, on a eu une fauche en sortie d'hiver où il n'y avait rien eu depuis la précédente culture. Donc là, un désherbage un peu à la main parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait poussé. On a remis l'irrigation vers début mars pour que les couverts puissent se redévelopper. On a semé le mélange gazon et des fétuques. Et à ce moment-là, du coup, on a eu le redéveloppement de tous les couverts. Donc il y a eu une première fauche mi-mars, fin mars. Et ensuite, juste avant l'implantation des tomates, on a eu une double fauche assez rapprochée
les deux en début avril, et pour vraiment calmer tous les couverts, pour que quand on plante les tomates, la tomate puisse rapidement prendre le dessus sur le couvert, se développer correctement, et là depuis on a fauché qu'une fois depuis l'implantation quoi. Et sur certains andains où il y a de la menthe, donc là il y aura un peu plus de détails à faire, mais il y a eu un peu plus de fauches sur certains andains que d'autres. Donc ça après c'est une gestion un peu à l'œil différenciée, parce que bah, le mélange gazon était moins poussant que certaines menthes qui étaient plus anciennes, donc forcément on a moins fauché à cet endroit-là. Donc ouais, la fauche, elle se fait à la débroussailleuse. Donc ce qui est compliqué techniquement, c'est qu'il faut passer au plus près possible des lianes, et donc c'est pas évident, surtout avec les fils de culture et les supports, il faut faire attention à ce que la débroussailleuse se prenne pas dedans et que ça arrache pas les plants. Donc on passe au plus près, mais il reste toujours sur le rang de tomates, sur le rang de plantation, des orties, des plants qui restent développés, de la menthe. Donc ces plants-là, ils sont quand même assez hauts. Donc on essaye de faire au plus près. Et c'est là tout l'intérêt du bloc 15 où il y a les laissés avec les tubes. C'est que bah, quand on a les tubes, on peut passer avec la débroussailleuse sans problème. On peut y aller, ça prend beaucoup moins de temps. Beaucoup moins de, enfin, on peut y aller beaucoup plus vite et faucher plus près, plus fort aussi. Donc, pour la gestion des tontes, c'est quand même ce modèle-là qu'il faudra essayer de développer. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que quand même, les tubes, on avait des petits retards de croissance par rapport au reste. Donc, la gestion des fauches, c'était pas forcément le problème puisque c'était des andains où il y avait assez peu de couverts. Mais par contre, ce qu'on met dans les tubes, c'était du compost. Faut vraiment que ce soit quelque chose de très poussant pour que les racines descendent rapidement, que la tomate s'enracine vite et qu'elle puisse ensuite prendre le dessus sur le couvert et vraiment pousser plus rapidement que ce qu'on a fait là. Mais mine de rien, on a des résultats assez concluants dans le sens où elles n'ont pas de retard monstrueux de croissance. Quoi. Sachant que là, on a fait des tubes assez hauts qui font 40 cm de haut. 40 oui, cm, ce n'est pas nécessaire. 20 cm, ça suffit. Largement. Ça suffirait. Et effectivement, il faut mettre, parce que là c'était du compost de déchets verts, pas très très composté, on va dire. Oui, t'es assez on a grossier, mis un peu d'engrais, ouais. Mais ça n'a pas suffi. Ça aurait été bien de mettre un compost vraiment bien composté, voire même prendre le sol à côté en fait et remplir les tubes avec. Ça aurait été peut-être l'idéal. Mais bon, le résultat n'est pas mauvais, c'est assez prometteur. Alors ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut creuser dedans. Donc dans tous les autres, on va avec une visseuse à la tarière plantée directement dans le sol. Dans les tubes, il faut y aller à la main parce que la tarière, en fait, elle écarte juste la terre, mais elle va pas faire un trou. Donc il faut creuser, mettre la motte et remettre la terre par-dessus. Donc ça prend un peu plus de temps, mais du coup, il y a aussi une réflexion à avoir sur est-ce qu'on peut pas directement en pépinière avoir des godets qui se replantent directement dans le tube. De bonne taille. Et ouais. On met directement dans le tube et avec le fond coupé pour que les racines puissent descendre, et puis ce serait quand même beaucoup plus ergonomique et plus facile. Après, ça, pareil, ça prend pas non plus 10 fois plus de temps. Facile 2 fois plus. Oui, oui. Mais... Comme là, il n'y avait qu'un andin, ça, en temps de travail, ça reste correct, mais faut imaginer que sur une serre où il n'y a que ce système-là, ça va être un peu plus long. La question de savoir si. Si c'est plus long de gérer de la matière organique morte ou de la menthe ou des couverts, en fait, ça va complètement dépendre de l'ergonomie de la serre. Est-ce que la serre elle a été conçue pour le faire? Et est-ce que tu as, par exemple, si tu as une machine pour distribuer la matière organique, parce qu'il y a déjà des tomatiers, des producteurs de tomates qui ont développé ça, si tu as une machine pour épandre la matière organique, ça va être très rapide. Si tu le fais à la main avec des palox que tu fais rouler sur des chariots et à la pelle, ça va être beaucoup plus long. Donc, si tu le fais à la main, c'est un petit peu long de mettre la matière organique. Mais entre mettre de la matière organique en début de saison ou venir faucher 10 fois le couvert dans l'année... C'est clair que mettre la matière organique, ça prend moins de temps. Ça prend moins de temps. Maintenant, c'est pour ça qu'il y a laissé avec les tubes. C'est que la gestion des fauches est beaucoup plus simple si on a une protection du plant de tomate, quoi. Donc, il y a un aspect de temps de gestion, mais l'aspect qui nous intéresse aussi dans ce dispositif expérimental, c'est qu'en fait, il y a tout simplement des situations de production, des contextes techniques de production où il n'y a pas de matière organique. Ou en tout cas, on n'arrive pas à s'approvisionner en matière organique de manière régulière et homogène, tous les ans, de la même manière, pour obtenir des résultats homogènes. Et alors, je pense bah, notamment au DOM-TOM, où j'accompagne des producteurs, où bah, il n'y a pas de plateforme de compostage qui peuvent fournir de la matière organique de manière stable dans le temps et fiable. Donc, tout simplement, il n'y en a pas de matière organique. Donc, la question ne se pose pas. La question est plus, est-ce qu'on peut produire des cultures dans des couverts
et s'appuyer sur le couvert pour maintenir la fertilité du système dans des contextes où la matière organique n'est pas disponible. Et si demain, on mécanise la tonte des couverts, parce qu'on peut très bien imaginer des serres industrielles avec des robots automatiques qui viennent couper, puisqu'aujourd'hui, ils ont déjà des robots de traitement, on a déjà des machines pour épandre les matières organiques dans les engins, donc inventer un robot de coupe du couvert, à mon avis, ça ne devrait pas être très très compliqué. Aujourd'hui, là, sur nos essais, effectivement, quand il n'y a pas de tube, c'est beaucoup plus long de faucher que de mettre de la matière organique, mais c'est tout à fait quelque chose qui peut s'améliorer dans le temps. Voilà, donc deux aspects du couvert, bah c'est dans les contextes où on n'a pas de matière organique, on s'appuie sur le couvert pour maintenir le cycle de la fertilité, on s'appuie aussi sur le couvert pour restructurer plus rapidement la biodiversité du sol, pour restructurer la structure du sol aussi. Et bah malgré tout, dans les contextes où la matière organique morte elle est facilement accessible, il est fort probable que ça reste assez intéressant de continuer de l'utiliser. Par contre, ce que vont nous permettre les essais ici, c'est quand même, je dirais, d'apprendre un peu mieux doser les matières organiques, puisqu'on voit quand même très rapidement que les doses qu'on mettait habituellement dans le réseau maraîchage sol vivant, c'est-à-dire des couches de 5 cm de BRF ou de 10 cm de paille, qui avaient des justifications, je dirais, plus techniques, parce qu'elles maintiennent l'humidité, elles empêchent l'enherbement. En fait, c'est quand même des doses un peu trop importantes pour nourrir le sol. Le sol n'a pas vraiment besoin d'autant de matière organique. Puis là aussi, l'intérêt d'avoir un andain où on a les andains zéro matière organique, où on n'a rien remis depuis la première année, c'est qu'on va voir s'il y a des différences vraiment fondamentales en termes de croissance et de rendement avec ces andains-là. Mais s'il n'y en a pas, ça veut dire que réapporter de la matière organique les trois premières années, c'est peut-être pas forcément utile. Ou peut-être on a un petit effet de bord parce que les tomates, elles vont quand même aller chercher s'il leur manque quelque chose dans les andains d'à côté. L'an dernier, on n'a pas vu sur les essais où il n'y a eu aucun apport ni couvert, on n'a pas vu de gros retard de croissance. C'était pas très significatif. Maintenant, je me méfie un peu parce que les andains, ils sont quand même espacés que d'1,60 m. Donc la tomate, elle va quand même, je pense même si on n'a rien remis, trouver facilement ce dont elle a besoin pour se développer dans sa première phase de croissance. Et puis une fois qu'elle a envoyé ses racines à 2 mètres de chaque côté, là je pense qu'on peut quand même avoir un effet de bord assez significatif. Donc c'est peut-être à se méfier un peu quand même. Alors, est-ce que ça peut poser des problèmes? En gros la question c'est est-ce que ça peut poser des problèmes de maintenir tout le temps le même type de couvert végétal? Bah écoute, quand tu regardes un peu partout des orties développées pendant 15 ans au même endroit, bah tu vois que le sol il fait que s'améliorer. Donc on verra. Mais je pense pas. Je pense que par rapport à, voilà, je pense pas qu'on puisse avoir de gros problèmes à maintenir la même plante au même endroit pendant 15 ans d'affilée. Elle produit de la matière organique, elle remonte des oligo-éléments du sous-sol, elle fait le cycle de la fertilité, tout simplement. Pour moi, il n'y a pas de problème particulier. Si on essaye de, par exemple, mettre en production un sol sur lequel il y a des orties qui ont poussé pendant 15 ans, en mettant une bâche, par exemple, bah, qu'est-ce qu'on constate? Bah, c'est que le sol est très fertile et que ça pousse très bien. Donc, au final, j'ai aucune inquiétude, moi, à ce stade, à imaginer maintenir le même couvert pendant 10 ans d'affilée et venir planter dedans. On verra, mais pour moi, il n'y a pas de problème à l'horizon. Oui. Et après, bah, il y a aussi la question de, pendant l'interculture, ça va continuer de produire la biomasse éventuellement. Est-ce qu'on ressème d'autres choses ou pas? Ça peut, enfin, en fonction de ce qui va arriver, on pourra déterminer s'il y a vraiment des carences qui se créent ou pas. Pour le moment, c'est pas ce qu'on observe. Mais ça reste à voir parce qu'on n'est que à 3 ans et même dans les andins où on n'a rien remis, ça pousse très bien aussi, quoi. Et du coup, après, un petit point sur les mesures aussi qu'on va faire. Donc l'aspect gestion des couverts, ça c'est quelque chose d'à part de toutes les mesures qu'on va faire sur les tomates. Et on mesure la croissance des tomates, la largeur des lianes des tomates et on va essayer de mesurer les rendements cette année aussi, andain par andain, modalité par modalité, pour vraiment pouvoir comparer des modalités avec des matières organiques mortes et des matières organiques qui sont apportées par un couvert vivant tout au long de la culture. Et donc ce qui avait été observé l'année dernière, c'est qu'il y avait des différences, des différentiels de, comme tu as dit, de entre 15 et 30%. On verra cette année ce que ça donne. C'est ce qu'on mesure là. Pour le moment, on a des croissances qui sont assez importantes
On a commencé les mesures il y a 2 semaines, donc. Oui, bon, on est déjà à quasiment 4 cm semaine, 4 cm jour. Les bonnes semaines où c'est bien lumineux. Donc c'est... Aujourd'hui, on recommence les mesures. Donc, Et on a des diamètres de lianes qui sont très bons. Donc pour l'instant, c'est plutôt prometteur. Après, il y a tout un suivi de l'irrigation, comme tu l'as dit, avec les sondes, parce qu'il faut bien voir que le sol, c'est une semelle d'argile, et dessus, toute la matière organique qui a été remise, mais ça n'a pas encore été remélangé, parce qu'il n'y a pas d'anisique, parce qu'il n'y a pas eu de plantes qui ont vraiment décompacté ça avec des racines, des systèmes racinaires forts. Donc ça, c'est aussi un point de réflexion, c'est comment on va réussir à décompacter ça, est-ce qu'il faut faire des intrants d'anisique, est-ce qu'il va falloir faire des petits apports exogènes, parce que pour le moment, c'est vrai que il y a eu beaucoup l'irrigation était un peu trop forte et donc il y avait beaucoup d'eau, donc ça avait tendance à saturer les sols très vite, et on le voit au niveau des sondes, c'est que même avec des irrigations de 2 minutes, la sonde passe de 50 à 100% d'humidité en 2 heures avec seulement 2 minutes d'irrigation. Donc, a priori, il faut qu'on continue d'observer ça et arriver à réduire un petit peu toute l'eau qu'on met dans les sols. Peut-être pour expliquer un peu le pourquoi du comment des mesures qu'on fait de manière générale. Alors, les années précédentes, on avait envisagé, par exemple, de mesurer le rendement, puis au final, on l'a pas fait. Parce que c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de modalités. Et au final, étonnamment, pour moi, le rendement, les premières années, c'est pas ce qui est le plus pertinent et le plus intéressant. Puisqu'en fait, pour faire un rendement intéressant, il faut quand même un développement technique du système qui se fait pas en une saison. Donc c'est pas dès la première année qu'on peut avoir un rendement qui soit significatif de quoi que ce soit. Sachant que dans nos dispositifs, on va continuer de faire évoluer les choses. Ce qui m'intéressait beaucoup plus les premières années, c'était de mesurer la santé de la plante. Alors notamment les nitrates, ça nous intéressait beaucoup d'affirmer ou confirmer notre hypothèse que avec des couverts, on aurait un cycle de l'azote avec très peu de nitrates. Ça s'est bien confirmé et on va le reconfirmer cette année. Puisqu'il y a un aspect sanitaire intéressant, très important même à étudier, c'est est-ce que si j'ai des plantes avec des bonnes croissances, peu de nitrates et une nutrition peu minérale, est-ce que j'ai pas, et aussi une bonne gestion de l'eau, est-ce que j'ai pas une très forte baisse, comment dirais-je, de tous les problèmes sanitaires? Donc aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on commence à constater, sachant que l'an dernier, on a eu sur cette parcelle-là, pas mal de soucis sanitaires en fin de saison parce qu'on mettait trop d'eau. Cette année, on va résoudre ce dernier problème et on s'attend avoir beaucoup beaucoup moins de problèmes sanitaires dans cette serre-là, surtout qu'elle est plutôt chaude, elle sèche beaucoup plus facilement. Avec les dalles de béton, ça a quand même une inertie thermique le soir et la nuit, qui garde la chaleur et qui a tendance à sécher la serre rapidement. Mais comme on travaille en aspersion, si on sent qu'on a des taux d'humidité vraiment trop bas, on pourra rajouter ça va très vite. Des aspersions d'humidification. Donc ce qui nous a beaucoup intéressé, enfin ce sur quoi on a vraiment travaillé les premières années, c'est la croissance des tomates, la croissance du végétal, pour essayer de voir si en couvert ou en nutrition matière organique morte, on pouvait atteindre des niveaux de croissance qui étaient équivalents à ce qu'on fait en serre chauffée avec des nutritions 100% chimiques, c'est-à-dire les systèmes qui produisent le plus en France. Et en fait, on s'en approche aujourd'hui, très clairement. Et je pense que l'an dernier, déjà pendant l'été, on a eu des croissances de plus de 5 cm par jour, c'est-à-dire l'équivalent de ce qui se fait dans les systèmes industriels. Donc la première phase de réflexion, elle a abouti, c'est est-ce que avec du sol vivant et des couverts végétaux, je peux quand même maintenir des croissances végétales équivalentes à ce qui se fait dans les systèmes industriels, c'est-à-dire les systèmes les plus productifs. Aujourd'hui, la réponse est oui. Il y a encore plein de petits paramètres à améliorer, mais la réponse est oui. Les charges en fruits sont quand même très correctes. Donc effectivement, cette année, je pense qu'on a suffisamment bien rodé le système. On a suffisamment bien éliminé tous les écueils et tous les gros soucis qui nous étaient arrivés pour qu'on puisse commencer à envisager de mesurer le rendement, sachant que le gros paramètre donc qui va être un peu limitant, c'est la variété qu'on a choisie. Mais c'est aussi pour ça qu'on a... C'est quoi? C'est la Sindel, celle-là? C'est Sindel, qui est assez productive, mais c'est pas non plus une machine de guerre. On a généralisé la Sindel sur toute la serre pour justement pouvoir peut-être commencer à faire des mesures de rendement qui sont significatives. Qu'est-ce qui pourrait se passer qui feront que nos mesures de rendement ne signifieraient rien? C'est si, par exemple,
Mais la pollinisation, il n'y a pas trop de soucis à ce stade, ça se passe très bien. La première année, par exemple, on n'avait pas mis les supports de lianes. Donc, beaucoup de grappes s'étaient retrouvées au sol et avaient été mangées par les cloportes, avaient été abîmées. Donc là, on avait quand même eu une perte de rendement significative, ce qui biaisait complètement les mesures. Mais normalement, aujourd'hui, le système est suffisamment abouti pour que peut-être on arrive à faire des mesures de rendement qui soient significatives et qu'on n'ait pas trop de bruit dans les résultats. Non, en tout cas, on va essayer. Et puis après, bah, y a toute une batterie de mesures qui va être liée au résultat des mesures Novacrop. Donc ça, c'est un peu plus sur l'aspect santé de la plante et composition des liquides physiologiques en fonction de si on a des modalités avec des couverts vivants ou des modalités avec des couverts morts. Donc ça, c'est ce qui a commencé à être observé l'année dernière, c'est qu'il y avait quand même deux groupes bien distincts. Les couverts avec des apports de matière organique morte où on avait plus de molécules minérales, notamment les nitrates. Il y avait aussi tous les ions qui étaient mesurés, potassium, calcium, sodium. Il y avait une composition des liquides physiologiques qui était un peu plus minérale que dans les couverts permanents en couverts vivants, où là on avait a priori des molécules plus organiques, mais on ne sait pas exactement lesquelles. On peut calculer juste le pourcentage d'azote organique dans les plantes, et donc ça on va le regarder un peu plus en détail cette année et confirmer ce qui a été fait l'année dernière aussi. Notamment parce qu'on va compléter les analyses Novacrop avec les testeurs Oriba. Et on a les testeurs. Sachant que Novacrop donne, par exemple, sur l'azote, Novacrop donne, bon, ben, pour le coup, c'est pas le bon exemple, mais sur certains éléments, Novacrop donne que les éléments totaux, mais avec les testeurs Oriba, on va pouvoir, par contre, mesurer une forme minérale de certains éléments. Et donc, on aura d'un côté une analyse Novacrop qui nous donne l'élément total. Et on aura les testeurs Novacrop qui vont nous donner une forme minérale. Et donc, on pourra commencer vite à voir les tendances sur chaque élément, suivant les modalités, quelle est la proportion de cet élément plutôt organique ou plutôt minéral. Et donc, ça va. Il est possible qu'avec ces analyses assez simples, on voit vite des tendances assez lourdes. Et on s'attend à ce que sur les couverts, évidemment, il y ait des formes plus organiques et sur les matières organiques mortes, des formes plus minérales. Mais on va voir si ce qu'on a déjà observé sur l'azote se confirme sur les autres oligoéléments. Alors les différences sanitaires entre des nutritions plus minérales ou plus organiques, c'est-à-dire couverts ou matières organiques mortes, jusque-là, on n'a pas pu voir grand-chose parce que on avait des problèmes qui étaient surdéterminants, c'était notamment la gestion de l'irrigation. On a eu des problèmes sanitaires homogènes sur l'ensemble du dispositif à cause de ce problème d'irrigation. Comme cette année, on considère qu'il va être résolu, là, on va voir s'il se passe quelque chose. Ça va être intéressant, effectivement. Alors, faut bien comprendre quand même que on voit apparaître des formes minérales. On en voit d'ailleurs apparaître en grande quantité, parce qu'on parle de plusieurs milliers de ppm de nitrate hein, dans les modalités matière organique morte, où vraiment on en a mis beaucoup. Donc, c'est vraiment beaucoup. Et malgré tout, on n'a pas eu l'impression d'avoir des problèmes sanitaires plus significatifs, en plus grande quantité qu'en couvert. Donc c'est assez marrant, on a l'impression, et là il y a un champ d'hypothèses assez important, moi je le formulerai comme ça aujourd'hui, mais attention, c'est pas une conclusion scientifique, mais je le formulerai comme ça, c'est qu'à partir du moment où la plante elle a une bonne nutrition en forme organique de tous ses oligoéléments, quand bien même on lui rajoute des formes minérales, en fait elle l'encaisse, elle arrive à le gérer, et elle est en bonne santé. Par contre, on commence à rentrer, à avoir des problèmes sanitaires si la plante est nourrie. Enfin, on commence à avoir plus facilement des problèmes sanitaires si la plante, elle est nourrie uniquement avec des formes minérales. Donc, je pense évidemment aux engrais minéraux, chimiques dans certains systèmes. Et si en plus, à côté, on manque de soleil. En fait, le gros problème, c'est ça. C'est de nourrir les plantes avec des formes uniquement minérales et de manquer de soleil. Donc, tout ça, je sais pas si on arrivera à confirmer ça dès cette année. Parce que j'ai l'impression que les problèmes sanitaires qu'on a eu l'an dernier étaient très principalement dus à nos problèmes d'irrigation et que si on les résout, il est fort probable qu'on ait très peu de problèmes sanitaires. Mais bon, on aura la conclusion cet été, on verra bien. Pour l'instant, c'est que des hypothèses. Jusqu'ici, tout se passe bien, ça pousse bien. Écoute, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, après, les autres mesures, c'est des mesures un peu plus ponctuelles. Il y aura des analyses de sol qui vont être faites. Un suivi des adventices, comme j'avais dit, et puis toujours le suivi microbiologique, que ce soit bactéries, champignons et nématodes. Voilà. Et je crois qu'on a fait pas mal le tour. Merci Thomas. Allez, on va aller voir les autres essais.
Alors ici, donc, on est sur la serre 2 du site 1 des serres de Marcel, donc autre serre où on mène pas mal d'expérimentations. Donc vite fait l'historique, c'est que là aussi, on avait un sol qui n'avait pas vu trop d'activité biologique quand on a repris en 2021, fin 2021. Le sol n'avait pas vu d'activité biologique depuis une trentaine d'années, vu que cette serre était entièrement recouverte de tables où il y avait de la production de plants de fleurs et de plants de légumes. Donc là, ici aussi, on a fait un fort intrant en matière organique, donc un peu moins important que dans la serre 1, là, peut-être 1 000-1 500 hectares, donc bon, quand même une bonne couche. On a réussi relativement bien à l'intégrer dans le sol, ce couvert, vu qu'on pouvait un peu mieux circuler avec un petit tracteur, pas ce couvert, cet intrant en matière organique morte. Donc ici, le sol est un petit peu plus drainant que dans l'autre serre, mais malgré tout, que dans la serre 1, mais malgré tout, ça reste des sols assez étanches. Et on a eu aussi ce problème de sol qui est tout le temps hydromorphe. On a un peu mieux réussi à gérer l'irrigation en manuel, mais malgré tout, cette année, on va installer aussi une sonde. Là, on ne l'a pas encore fait, mais le démarrage est plutôt correct. Donc, c'est la troisième année où on fait des cultures d'été. Et l'an dernier, on a donc décidé de passer quasiment toutes les cultures d'été en trèfle. Donc, on l'a implanté, je ne sais plus, oui, fin d'été dernier, je crois, le trèfle. Non, l'an dernier, c'était déjà en trèfle. La première année, on a fait la culture sur bâche. La deuxième année, on l'a fait sur trèfle. Ça s'est plutôt bien passé. Et là, on est en train de continuer les essais. Ce qu'on a fait de mieux par rapport, ou ce qu'on a modifié par rapport à l'an dernier, c'est qu'on va beaucoup plus faucher. On va avoir un couvert beaucoup plus homogène, puisque là, on tond très régulièrement. Tu vas en parler. Et on a installé une petite bande de bâche sur la culture, sur le rang de culture, malgré tout, pour se faciliter le travail, pour pouvoir tondre, gérer le couvert à la tondeuse et ne pas le gérer à la débroussailleuse. Même si tu as continué de faire des fois, la débroussailleuse. À essayer parfois à la débroussailleuse, oui. Pour voir si c'était plus long, plus rapide, essayer de trouver le meilleur moyen. Donc les essais que tu nous fais, Flavien, cette année, c'est sur le bâchage des couverts, puisque l'hiver dernier, il n'y a pas eu de culture d'hiver. Mais là, on n'est pas en andin, on est à plat. Et l'objectif, très rapidement, on l'a déjà fait sur d'autres serres, c'est de pouvoir venir implanter une culture d'hiver, donc salade, fenouil, chou-rave, pourquoi pas une blette. Des petites cultures qu'on va venir implanter en plan, avec des cycles assez courts, et de réussir à les implanter dans le couvert. Donc on a déjà réussi l'automne dernier dans une autre serre sur des séries de salades. Donc on a foiré bien deux séries de salades parce que le temps qu'on trouve le phasage. Mais là, ça y est, on a trouvé la technique. L'idée pour réussir donc à implanter une petite culture en plan dans un couvert, c'est donc de prendre cette toile tissée dans laquelle on va avoir fait un trou en 10-10 ou en 15-15 à la disqueuse. Alors la disqueuse, c'est bien parce que ça fait chauffer un peu le plastique et ça évite que ça s'effiloche trop. Donc c'est de venir mettre cette bâche, de planter directement le plant à la tarière et ensuite, pendant la culture, qu'est-ce qui va se passer? La culture commence à se développer. Or, souvent, on a un petit peu de trèfle qui repart dans le trou, mais ma foi, c'est pas plus gênant que ça. Au contraire, ça permet au couvert de mieux survivre, de survivre un peu plus longtemps sous la bâche, sachant qu'on est sur des perçages assez rapprochés, on est à 30 cm en tous sens. Donc, en fait, même si on laisse la bâche toute la culture, généralement, on a un peu de trèfle qui ressort dans les trous, donc il est bien amoché en fin de culture, mais il survit. Par contre, là, ce qu'on a réussi à mettre en œuvre comme modalité, c'était de bâcher pendant 15 jours, 3 semaines, pendant la première phase de développement de la culture. Pour le coup, c'était de la salade. Et ensuite, au milieu de la culture, on a retiré la bâche. Comme on a des grands trous, on arrive à retirer la bâche en laissant la culture sur place. Et la culture fait correctement sa deuxième phase de cycle de développement. Et pendant la deuxième phase de cycle de développement de la culture, le trèfle se régénère. Et une fois qu'on a récolté la culture, on a de nouveau un très beau couvert de trèfle. Et donc, je te laisse présenter les essais que tu fais sur le bâchage, Flavien, et te présenter toi aussi. Du coup, moi, c'est Flavien. Je suis en stage en IUT, en deuxième année d'IUT à Aurillac. Et du coup, moi, j'étudie les couverts permanents pour la gestion, comme disait François, sur les petites cultures, comme les salades, pour limiter la compétition entre le couvert permanent et la culture légumière. Et du coup, pour calmer le couvert permanent, là, on a fait différentes modalités avec... On a essayé différentes fauches, en fauchant toutes les semaines. Quand le trèfle il arrive au début de floraison, donc on a considéré que c'était son stade optimum. Et en ne pas fauchant du tout. Et donc on regarde un peu comment le trèfle, est-ce qu'il est freiné ou pas.
Un autre protocole, c'est en bâchant le couvert de trèfle, on a débâché toutes les semaines, comme on peut le voir là. Du coup, on s'est rendu compte que très vite, au bout de 2 semaines, le trèfle est quasiment noir. Donc, ça confirme le fait que le trèfle est une culture assez fragile. Et puisqu'on a fait un pas toutes les 2 semaines, pour avoir plus de précision, maintenant on a recommencé l'expérience en débâchant tous les 3 jours pour avoir une fourchette un peu plus juste de temps en termes de jours et de degrés jours. Oui, parce que c'est le truc important qu'il faut préciser, c'est que tu mesures en parallèle les degrés jours. Oui, voilà. Je mesure les degrés jours aussi en parallèle, parce que suivant la météo, on n'a pas la même pousse du trèfle en fonction de la température qu'il fait dans les serres. Donc, on a trouvé ça pertinent de mesurer les degrés jour pour avoir une valeur qui soit. Adaptable à toutes les saisons, en Oui, voilà, fait. c'est ça. Pour l'expliquer, qu'est-ce qui se passe quand on bâche une culture? En fait, elle peut plus faire de photosynthèse, mais elle respire. Elle continue de respirer et donc elle est en dessous de son degré de son point de compensation. Donc elle va consommer plus de sucre qu'elle en produit. Et en fait, bah, suivant la température, elle va respirer beaucoup plus ou un peu moins. Donc ce qu'on a vu l'an dernier, c'est que sur l'autre site, c'est qu'avec 3 semaines de bâchage, le trèfle était défolié, mais les racines n'étaient pas encore mortes. Mais on a fait ça à l'automne assez tardivement, c'était novembre. Le bâchage qui avait bien réussi, là, ça devait être novembre. Donc même après 3 semaines de bâchage, le trèfle était juste défolié, mais il est très bien reparti. Alors qu'ici, au bout de 15 jours, il est déjà mort, même les racines sont mortes. Parce que là, on est au mois de mai, il fait beaucoup plus chaud. Et donc l'activité de respiration du trèfle est beaucoup plus importante. Et donc on voit qu'il meurt beaucoup plus rapidement. Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'on ne peut pas donner une consigne de temps de bâchage si on ne tient pas compte de la température. Et donc l'objectif, c'est d'essayer de quantifier ces degrés jours. Tu avais déjà des premiers chiffres. Oui, entre 165 et 240 degrés jour, mais c'est à confirmer. Entre 165 et 240 degrés jour, ben le trèfle, il meurt. Il est mort. Et donc nous, c'est ce qu'on veut pas, c'est calmer le trèfle, mais pouvoir qu'il reparte après des débâchages, quoi. Voilà. Donc il faut trouver le nombre de degrés jour approximatif qui vont permettre de défolier sans tuer. Tu as fait aussi un essai bâche tissée et bâche étanche. Oui. La première semaine, on voyait que la bâche d'ensilage, elle calmait beaucoup plus le trèfle, mais après, au bout de la 2e semaine, ça s'est à peu près équilibré. Ouais, on a vu moins de différence. Faut qu'on Hein. réessaye, Oui, hein, parce que c'est faut pas encore réessayer. clair. Oui. C'est pas encore clair. Voilà. Et donc ce qui nous intéresse, ça va être le nombre de degrés jour, puisque l'idée, ça va être de bâcher, pour un producteur, hein, qui va vouloir faire ce type de culture, ça va être de bâcher, de faire un suivi de degrés jour, et ça devrait lui donner une bonne idée du nombre de jours, du nombre de semaines qu'il va devoir garder la bâche, sans risquer de détruire son couvert. Sachant que bah, la petite culture qu'on va mettre dans la bâche va se développer d'autant plus qu'il y a un grand nombre de degrés jour. Donc normalement, tout ça devrait se combiner assez bien. Le souci qu'on va avoir, c'est qu'en fait aujourd'hui, on n'a pas trouvé d'outil en vente dans le commerce qui nous permet de mesurer les degrés jours très simplement. On a des thermomètres, mais on n'a pas d'outils qui vont nous additionner les degrés jours tous les jours. Donc ça, c'est un peu gênant parce qu'on se rend compte que le degré jour, c'est quand même une unité très importante dans le développement végétal de manière générale. Et aujourd'hui, on n'a pas cet outil-là. Bon. Après, avec une sonde de température enregistreuse, un tableur Excel, ça peut se mesurer assez bien, ça peut se faire assez bien. Donc l'idée, ça va être aussi de faire simplement un petit tableau Excel qui nous permet de faire les calculs. Et cet été, de peut-être faire une préconisation sur du choix de matériel et fournir le petit tableau Excel qui va permettre de faire des calculs de degrés jour en mettant les données du matériel dans l'ordinateur. Et juste pour le calcul des degrés jour, on a pris comme zéro de végétation 6 degrés, parce Voilà. que c'est le zéro végétatif du trèfle. Voilà, si on prend un autre couvert, bah, ça ne sera pas forcément le même zéro végétatif. Voilà. Tu fais aussi des essais de fauche sur la menthe, sur l'autre serre. C'est ça sur le serre, voir Et la repousse. Bon là pour l'instant, je n'ai pas refauché, j'ai fauché qu'une fois. donc l'idée, c'est d'avoir une menthe qui fauche toutes les semaines, une Oui. tous les 15 jours et une qu'on fauche jamais. C'est ça. Et on voit ce que ça donne. C'est tous les 15 jours ou à floraison, ton À deuxième. floraison, pardon. Voilà. Donc il y a une fauche toutes les semaines sur un couvert de menthe. Une fauche, à chaque fois qu'elle arrive à floraison, c'est ouais, 50-60 Oui, cm. ouais. On fait une fauche et puis il y a une menthe qu'on ne va pas du tout faucher.
Et là, ce qui nous intéresse, c'est de regarder le comportement de la menthe. Est-ce qu'elle fait beaucoup de repousse? Voilà, comment elle se comporte? Est-ce qu'on sent que si on la fauche vraiment trop, elle risque de mourir? Ou combien de temps ça la fait caler après si on arrête de la faucher? Enfin voilà, différentes observations, vraiment plus sur la morphologie de la morphologie de la menthe. On s'attend pas forcément à d'énormes résultats sur la tomate qu'il y a dedans. Parce que là, elles sont déjà bien démarrées et on ne s'attend pas à une concurrence incroyable, mais c'est vraiment essayer d'observer le couvert, comment il se développe. Surfais-tu aussi dans un serin Oui, tu fais entendu. aussi cet essai-là. Oui, c'est ça. Il y a aussi une étude pour la compétition du trèfle vis-à-vis des adventices. Donc, j'ai posé des quadras sur des adventices bisannuelles ou vivaces, comme le rumex, le chardon ou le pissenlit, Qui pousse dans un couvert de trèfle. qui poussent dans un couvert de trèfle. Et du coup, pour chaque adventice, il y a deux quadras. Un où on fauche au moment optimum pour le trèfle, donc quand il arrive à début floraison, et un où on fauche pas du tout. Et comme ça, on compare la différence, voir si le trèfle concurrence l'adventice, et si par simple fauchage, on peut arriver à supprimer Tous les tous adventices. les adventices. Puisque l'hypothèse qu'on essaye de confirmer, c'est que suivant le choix du couvert, il va y avoir un cycle de fauche optimum qui doit se quantifier sans doute en degrés jour à la fin. Et donc, ce qu'on remarque aussi bien sur le trèfle, sur l'ortie ou l'amande, c'est que, et ça se confirme par un petit peu de lecture bibliographique, c'est que c'est quand la plante est arrivée au début du stade floraison, qu'elle a rechargé toutes ses réserves nutritives, notamment ses racines, et que si on la fauche, en fait, elle repart vraiment bien. Elle repart très fortement et elle reproduit de nouveau beaucoup de biomasse. Alors, ce n'est pas forcément ce qu'on cherche toujours à faire. Des fois, on peut chercher à faucher plus souvent pour calmer le couvert, notamment à la plantation. Mais si on cherche à maximiser la production de biomasse par le couvert, à ce stade, il semble que ce soit au début, à ce stade de la réflexion, il semble que ce soit au stade début floraison, ou floraison car elle a pas mal commencé, qu'il faut faucher. Puisque après, si on attend plus longtemps, que fait la plante? Elle va utiliser ses réserves nutritives pour nourrir ses graines et non pas pour développer et produire de la biomasse. Or, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'elle produise de la biomasse. Il s'avère que le cycle de fauche d'un trèfle, d'une menthe ou d'un ortie n'est pas du tout le même. Sur un trèfle, on voit là qu'en ce moment, c'est quasiment tous les 15 jours 2 semaines, ouais, 2 semaines. qu'il faut, qu'on peut faucher. Tous les 15 jours, on a des nouvelles fleurs qui commencent à apparaître, ça pousse vraiment très très vite, alors qu'une menthe, on est plus sur 1 mois et demi, 2 mois, même Oui, en c'est ce ça, moment, quoi. ouais. Donc le cycle de fauche n'est pas du tout le même, et l'hypothèse, c'est que si on applique au couvert un cycle de fauche adapté à une plante du couvert, ça va favoriser cette plante-là et défavoriser les autres. On l'a vu déjà l'an dernier sur certaines serres où on avait des couverts de trèfle et où on a beaucoup fauché. On a vu les orties complètement disparaître, on a vu même les rumex disparaître, et donc là on va essayer de le reconfirmer donc avec la petite expérience que tu fais et tes quadras. Oui, J'ai bien résumé? voilà, On dirait que je suis ton maître de c'est stage. Bon merci Flavien, et puis on se donne rendez-vous donc cet été pour avoir les résultats plus en détail de ce dispositif expérimental. Voilà. Et là on va aller voir maintenant les courgettes aux pneus, et puis après les autres essais qu'on a dans les autres serres plastiques. Donc juste une petite présentation de cette culture de courgettes. Pourquoi elle est intéressante? Puisqu'en fait, c'est une modalité d'implantation de courgettes qui pourrait être mise en œuvre sur prairie directement, sans aucun travail du sol. Et même une prairie avec, je dirais, une forte biodiversité des plantes qui poussent dans la prairie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on avait du couvert de trèfle l'an dernier. Et à l'automne, on a fait plein de modalités différentes pour essayer de mettre en place des cultures d'hiver. Et donc, notamment, on a fait des bâchages à certains endroits qu'on détruit le couvert. On a passé le motoculteur de différentes manières dans le couvert en imaginant que le motoculteur allait, je dirais, bousculer notre couvert de trèfle mais n'allait pas le détruire. Et au final, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait germer beaucoup, beaucoup d'adventices, alors notamment de l'ortie, des graminées en pagaille. Donc, on se retrouve avec un couvert de trèfle qui est quand même présent, mais avec beaucoup d'ortie qui a poussé dedans, beaucoup de graminées. On a un peu de rumex et puis différentes plantes annuelles.
Donc on s'est retrouvé avec un couvert très très sale, un peu compliqué à gérer, et ça tombait relativement bien puisqu'on avait des courgettes à faire, on avait essayé de les, on voulait les faire assez tôt. Donc ce qu'on a simplement fait, c'est qu'on a posé au sol un petit carré de bâche, donc qui fait de la bâche tissée qui fait 40 cm sur 40 cm avec un trou au milieu, et par-dessus on est venu mettre un pneu. Alors le pneu, ça paraît pas très écologique comme ça, mais c'est très pratique. Alors notamment dans cette Cerver qui est pas, qui a pas énormément d'inertie parce qu'elle est basse. On a pu planter assez tôt, puisqu'on a mis ce pneu et par-dessus, en début de culture, on a mis un P17 et on a planté la courgette dans le pneu. Donc pourquoi c'est intéressant, c'est que pendant plusieurs, pendant la première phase de croissance, la courgette, elle peut se développer dans le pneu, elle n'est pas gênée par le P17 parce que le P17 est par-dessus. Et le pneu fait un microclimat très très intéressant. On n'a pas réussi à le mesurer vraiment précisément parce qu'on a juste fait quelques mesures, mais on avait quand même la nuit un différentiel de 10 degrés entre l'intérieur du pneu et l'atmosphère de la serre. Donc ça veut presque dire, alors on l'a pas mesuré les jours où il gelait, où il a gelé dans la serre en fait. Donc je sais pas si les jours où il a fait moins 2, moins 3 en tout début de saison dans la serre, on avait vraiment un différentiel de 10 degrés. Mais on voit qu'il y a un différentiel qui tourne autour de 10 degrés entre la serre et l'intérieur du pneu. Donc ça fait quand même un différentiel très important. C'est pour ça que le pneu est intéressant pour faire ses plantations précoces. En plus, le pneu, c'est pas difficile à trouver. C'est pas forcément très compliqué à manipuler. L'autre intérêt du pneu, donc pour faire un microclimat et pouvoir faire des cultures très très précoces, c'est qu'il garde un petit peu d'eau à l'intérieur, le pneu. Souvent, quand on fait de l'irrigation, puisque là on est en aspersion, il garde un peu d'eau. Ce qui fait qu'on peut laisser le P17 et même les jours où il fait un petit peu chaud, si on a des jours très ensoleillés et que ça chauffe un peu fort, il y a quand même beaucoup d'humidité sous le P17, donc la plante, elle souffre pas de trop. Voilà, donc c'était juste pour montrer cet itinéraire. On l'a fait avec des pneus, on aurait pu le faire peut-être avec plein d'autres choses différentes, mais on avait du pneu sous le coude, c'était rapide à faire. Donc là, les courgettes, j'ai plus la date en tête, mais je pense qu'on aurait pu gagner un mois et demi encore sur la culture et qu'on aurait pu planter dès le début février. C'est vraiment un itinéraire qui permet de fortement augmenter la température et en créant un microclimat autour de la culture. Sur quelle culture on pourrait le faire? On pourrait le faire sur le concombre, on pourrait le faire sur la tomate, le poivron, l'aubergine. Je pense qu'on pourrait le faire sur toutes ces cultures-là et gagner un mois et demi de précocité, voire plus sur des serres qui ne sont pas des serres chauffées. Donc on peut même l'imaginer en serre plastique. Voilà. L'intérêt aussi dans la gestion du couvert, c'est qu'en fait après la gestion du couvert, elle est extrêmement simple. Pendant toute le début de la culture, on vient à la tondeuse ou à la débroussailleuse pour gérer le couvert. Et donc c'est très prometteur puisqu'on a une culture avec des outils relativement simples, dans un couvert entre guillemets très sale avec une très forte biodiversité de plantes. Et donc clairement ça peut être installé sur n'importe quel sol fertile, de prairie, de friche, tout ce qu'on veut, sans aucun travail du sol, avec simplement une fauche préalable et c'est tout. Voilà. Et vous voyez, elles sont très belles les cultures. Et donc comme dans les autres serres, là on va rapidement installer une sonde tensiométrique pour mieux régler l'irrigation, même si à ce stade, là on s'est bien débrouillé cette année sur la gestion de l'irrigation. Sur cet essai, on va rien mesurer du tout, mis à part que là on va commencer à mesurer les rendements, parce qu'on considère que l'ensemble de toutes de l'itinéraire technique est relativement bien développé et on n'a eu quasiment aucune perte au démarrage, ni limace, ni quoi que ce soit. Le couvert est là. Pour l'instant, la gestion de l'irrigation, on n'a pas fait trop d'erreurs. Comme on va mettre rapidement une sonde, on devrait avoir une bonne gestion de l'irrigation. Et on a une très très bonne floraison au démarrage. On a vraiment beaucoup de fruits par pied. Donc là, on va commencer à pouvoir mesurer des rendements sérieux. Voilà. Surtout qu'on a un débouché sur la courgette, donc c'est une culture à laquelle on devrait prêter attention, la tailler, l'effeuiller correctement et la mener jusqu'au bout. Voilà, mon seul regret, c'est de pas l'avoir fait un mois et demi plus tôt, mais bon, on avait déjà beaucoup de choses à faire cette année. En tout cas, c'est très prometteur, notamment pour faire de l'implantation de courgettes en extérieur, de très bonne heure. Alors, est-ce que ça prend beaucoup de temps à l'implantation? En fait, vraiment pas beaucoup, parce qu'on n'a même pas une agrafe à mettre. Ce qu'il faut, c'est trouver un stock de pneus. Donc, vous allez voir n'importe quel casseur auto. Généralement, il a plein de pneus dont il aime bien se débarrasser.
Donc bah non, avec des grosses brettes et des chariots, on transporte les pneus, on les stocke à proximité de la serre. Là, il nous a fallu un peu de temps cette année pour faire les bâches, les petits carrés de bâches qu'on a mis sous chaque pneu. Alors pourquoi on n'a pas fait une grande bâche en long et des petits carrés? Bah parce que tous nos pneus n'ont pas exactement la même taille. Donc on a un petit carré de bâche et on met le pneu par-dessus. Et donc la distance entre les pieds de courge n'est pas parfaitement identique, mais c'est pas grave. Donc non, en termes d'implantation, c'est vraiment très rapide, hein. C'est une tonte, on pose le carré de bâche, on pose le pneu. Il faut juste prévoir ce qu'il faut pour la logistique des pneus, parce que c'est assez volumineux quand même. Et ça en fait beaucoup. Mais en soi, c'est voilà, il n'y a pas de travail du sol. On est sur un système en couvert. On va y réfléchir, mais les pneus, on pourrait même, tout comme on a des andins dans la serre 1 et des dalles de béton entre les cultures, c'est-à-dire que dans la serre 1, on n'a pas un couvert qui couvre la totalité de la surface du sol. Ici, on va avoir un couvert qui couvre pas la totalité de la surface du sol. Dans la serre 1, c'est sur les dalles de béton en l'interrand qu'il n'y a pas de couvert, alors qu'ici, c'est dans l'interrand qu'il y a un couvert. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même une surface photosynthétique très importante au global sur le système, et que donc on est sur un système complètement auto-fertile. Et donc je le rappelle, bah, probablement que dans les années futures, il n'y aura pas à ramener d'engrais, il n'y aura pas de travail du sol, il n'y aura pas d'apport de matière organique. Donc à la fin, on fera des calculs pour tout mettre dans la balance économique. Mais globalement, venir juste mettre un carré de bâche et un pneu, c'est quand même pas un très grand travail. Sachant qu'on verra, mais peut-être qu'on va trouver une culture d'hiver à mettre dedans. Et après, bah, dans des systèmes de serre chauffée ou de serre où on fait qu'une culture d'été et qu'il n'y a pas de culture d'hiver, bah, le pneu, on peut le laisser tout simplement, quoi. Et l'entretien du couvert, il est très simple et il peut se faire très rapidement. Voilà, voilà. Alors, un autre petit essai qu'on a mis en place cette année au Serre de Marcel. Donc, c'est toi, Tristan. Vas-y, oui. Présente-toi. Donc, je m'appelle Tristan Claudet. Je suis stagiaire ici depuis environ un mois et je suis étudiant en deuxième année de BUT, génie biologique, spécialité agronomie à Avignon. Voilà. Et donc, bah, je t'ai chargé de mettre en place un dispositif expérimental. C'est peut-être le plus complexe de tout ce qu'on met en place cette année, notamment en termes d'analyse. Ça va être un poil compliqué. Alors, pour expliquer l'historique, parce que c'est pas la première fois qu'on fait cet essai, il y a déjà une dizaine d'années, pour essayer de comprendre un petit peu mieux le cycle de minéralisation des matières organiques, notamment dans nos systèmes en maraîchage sol vivant, et surtout l'impact des vers de terre, nos fameux vers de terre, j'avais pris des petits pots comme ça, j'avais mis un peu de sable dans le fond, j'avais fait différents types j'avais mélangé différents types de matières organiques dans le sable de ces pots, et j'avais vu tout de suite des différentiels de croissance. Après, j'avais mis des plants de choux dans ces pots, et j'avais tout de suite vu des différentiels de croissance très importants, et je m'étais dit que c'était suivant les types de matières organiques que j'avais mis, hein. Bon, pour la faire simple, là où, dans les pots où j'avais mis des matières organiques qui se dégradaient facilement, donc à faible ISB, bah, on voyait que les choux arrivaient à pousser, et là où on avait mis des matières organiques très carbonées, pas IBRF, on voyait que la plante n'arrivait pas à se nourrir directement dans ces matières organiques carbonées. À l'époque, dans les essais, j'avais pas rajouté de vers de terre. Là, c'est une des grosses améliorations qu'on a fait au dispositif. Mais j'avais trouvé que c'était un dispositif assez intéressant, puisque le sable, on peut le considérer comme un sol nutritionnellement neutre. Il va pas nourrir vraiment la culture. Par contre, il sert de support physique à l'enracinement et à l'activité biologique, à la fois des bactéries, des champignons et des vers de terre. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de refaire ce dispositif expérimental, mais avec beaucoup plus de modalités. Notamment, pourquoi pour montrer un certain nombre de choses, montrer réellement ce que c'est qu'une fin d'azote, pendant combien de temps elle se développe. Alors ici, on a des modalités qui vont nous le montrer, puisque tu as des modalités avec du BRF enfoui dans le sable, de la paille. Enfin, tu vas réexpliquer en détail après. Et surtout, pouvoir montrer l'impact des vers de terre sur la dégradation de ces matières organiques carbonées. C'est-à-dire que les premiers résultats que j'avais eus, c'était qu'on voyait que la plupart des plantes, enfin pour le coup j'avais fait des essais qu'avec des choux, mais on avait observé dans des cultures que beaucoup de plantes étaient capables de se nourrir directement sans vers de terre dans des matières organiques à faible indice de stabilité biologique, donc des fientes de poule, du gazon, des choses comme ça, enfin des matières organiques très très vertes. Par contre, dès qu'on arrive sur des matières organiques carbonées, on voit que les plantes ont globalement plus de mal
à aller se nourrir directement dans ces matières organiques carbonées, mais on n'avait jamais mis dans un dispositif expérimental le ver de terre en plus pour voir si ça changeait un peu la donne. Ouais. Donc ce qu'on s'attend à voir là dans nos essais, c'est suivant l'indice de stabilité biologique des matières organiques, la capacité de la plante à aller se nourrir directement dans la matière organique sans le ver de terre. Alors notamment parce qu'on a mis beaucoup de familles de plantes différentes et de plantes différentes. Donc là, on ne va pas juste tester les choux, on va tester plein de familles. Et on veut pouvoir mesurer l'impact réel du ver de terre sur la dynamique de minéralisation de ces matières organiques et sur la nutrition des plantes. Voilà, donc je te laisse présenter un peu toutes les modalités, Tristan. Ouais. Donc là, la majorité des modalités de matière organique, on a fait donc différentes matières organiques avec les mêmes plantes, donc oignons, ail, pois, fèves et maïs. Juste pour préciser, on a choisi des plantes de différentes familles, donc, mais qui ont un développement foliaire très vertical. Pour pouvoir mesurer la croissance plus facilement. Parce que si on prenait un trèfle ou un truc comme ça, mesurer la croissance d'un trèfle, c'est pas évident. C'est compliqué. Donc on a plein de modalités de matières organiques différentes et soit elles sont, il y a la moitié qui sont incorporées, la moitié qui sont en surface. Donc on a de l'herbe, de la paille, des feuilles broyées ou non, des aiguilles de pin, du broyat très fin ou plus grossier. On a encore du chanvre, donc qui correspondrait à peu près à de la paille broyée. Et après on a de la nourriture pour poules. Et deux types d'engrais organiques, et après les témoins pour pouvoir comparer avec juste du sable, pour voir ce que ça fait. Et ensuite, il y a aussi du compost et du lombricompost là-bas. Et ensuite, on a aussi voulu tester les effets de ces différentes matières organiques sur la famille. Donc pour ça, et pour bien voir l'effet d'azote aussi. Et pour ça, on a fait des modalités donc que incorporées et que herbes ou broyats, plutôt grossiers. Et là-dedans, on a mis différentes familles, donc des graminées, des légumineuses, des solanacées, des brassicacées, des apiacées, des amaryllidacées, qui s'appelaient aliacées avant, et amarantacées. Sachant que sur ces familles, tu as 4 ou 5 représentants de la famille à chaque fois. 3 ou 4. Voilà, donc l'idée, c'était aussi de pouvoir voir à l'intérieur d'une même famille, est-ce qu'il y avait une grosse plasticité, une grosse variabilité des comportements. Alors, notamment parce que sur la serin, la première année, on a été assez surpris, alors qu'on était en fin d'azote. En fait, c'était les graminées qui s'en étaient beaucoup mieux sorties et les légumineuses qui avaient patiné dans la semoule quasiment toutes. Et donc là, l'idée, ça va être de voir s'il y a une grosse différence entre les familles de plantes dans leur capacité à aller se nourrir de différents types de matières organiques. Et donc, pour rappeler, toutes les modalités, elles sont soit avec des vers de terre, soit sans vers de terre. On a deux tables avec, sans vers de terre et deux tables là-bas avec vers de terre. Et donc, à ce stade, on n'est pas encore certain de comment on va mesurer tout ça. Parce que ça va pas être simple. A priori, on ferait plutôt de la croissance là et plutôt des photos et de la lecture visuelle là-bas pour bien voir l'effet d'azote sur les familles. Voilà, parce que ça peut vite représenter beaucoup de mesures. Mais effectivement, avec des photos, on va déjà voir la couleur, on va déjà voir le développement de manière assez claire. Sachant qu'entre une modalité qui va être complètement en fin d'azote pendant 4 mois et une modalité, par exemple, avec de l'engrais ou de l'aliment pour poules, là ça risque de pousser très très fort, très vite. Donc ce qu'on cherche à savoir aujourd'hui, c'est pas à 10% près la croissance de la plante. Ce qu'on cherche à déterminer, c'est quelles sont les conditions, à la fois en fonction de l'ISB de la matière organique, en fonction de son enfouissement ou pas, en fonction de la présence de vers de terre ou pas, si on a créé les conditions suffisantes pour que les cultures elles poussent, ou si on est vraiment dans des mauvaises conditions qui font que la culture elle va complètement caler, quoi. Sachant qu'il y a quelques modalités qui, malheureusement, de par notre dispositif expérimental, vont être difficiles à interpréter, parce que vous voyez, pour mettre suffisamment de paille dans les pots, il a fallu que ça déborde. Parce qu'on a voulu mettre un ordre de grandeur de 60 tonnes de matière sèche par hectare, par rapport à ramener à la surface du pot. Et du coup, comme la paille, c'est très foisonnant, ça nous a amené à mettre des grosses quantités. Donc on n'est pas sûr que tous les essais soient très concluants, mais a priori il y a beaucoup de modalités qui vont quand même nous dire beaucoup de choses. Et peut-être que si ça se passe bien, on fera quand même des mesures foliaires, des analyses de sève.
entre un certain nombre de modalités, celles qui sont les plus représentatives, bah, par exemple des matières très carbonées, des matières plus azotées. Et aussi dans le but pour voir si la nutrition de la plante est plus carbonée ou plus minérale. Voilà. Donc c'est un peu les mêmes essais qu'on fait dans la serre 1, enfin les mêmes mesures qu'on va faire. Et là, on va peut-être le faire sur nos modalités, sachant qu'on ne va pas avoir une grosse production de feuilles. Donc on ne va pas pouvoir faire beaucoup de points d'analyse. Donc l'ordre de grandeur de matière organique qu'on a mis, c'est 60 tonnes de matière sèche, puisque ça correspond à deux fois la production de matière sèche, en gros, d'un écosystème naturel. Et comme on est sous serre, on a considéré qu'on prenait deux fois plus. Deux fois plus, et tu as fait pareil sur les vers de terre. Pareil sur les vers de terre, oui. Donc on est parti de 1 tonne de vers de terre à l'hectare dans une prairie, et du coup on a multiplié par 2, ce qui faisait 2,4 tonnes, et ramené au pot, ça nous a fait 25 grammes de vers de terre par pot environ. Parce qu'on a considéré qu'un ver de terre dégorgé pesait deux fois moins qu'un ver de terre gorgé. Et là, ils étaient gorgés. Donc, on a mis 25 à 26 grammes. Ce qui t'a fait ramasser ? Ce qui m'a fait ramasser 3 kg d'œufs de vers de terre. Et c'était des vers de terre épigés. Il y avait deux espèces, je pense qu'il y avait de Leysinia foetida et puis les autres, je sais pas. Bon, il y a une espèce endémique quoi, qui se balade par là. C'est des épigées en tout cas. Et voilà. En tout cas, ils ont l'air de bien se plaire. Il y a quelques pots avec les engrais là, notamment où ça, les engrais organiques, ça a l'air de leur piquer un peu le nez. Ouais, il y a même un peu d'algues dans les pots. Oui, bon, ça c'est normal. Mais ça, il va falloir qu'on vérifie qu'effectivement, dans les modalités avec les vers de terre, ils aient tous bien survécu, qu'il n'y ait pas des pots où ils sont tous morts. Ça va être un peu compliqué de mesurer la dynamique de croissance de la population de vers de terre. On va voir ça. Toutes les modalités sont en triple. Oui, donc il y a à chaque fois, bah, l'herbe par exemple, là, il y en a 3 incorporées et 3 en surface. Donc c'est pour avoir une significativité plus importante au niveau statistique. Et voilà, on est pas mal. Bah, merci Tristan. Alors ici, on est toujours en serre de Marcel et on est dans la serre tropicale. Alors qu'est-ce que ça veut dire serre tropicale ? C'est une serre qu'on essaye de mener à haute température et à haute humidité. Et donc Malo, présente-toi, c'est toi qui fais toutes les mesures et l'installation de la serre. Du coup, moi c'est Malo Voisin, je suis étudiant en deuxième année de BUT Génie Biologique Parcours Agronomie à l'IUT d'Avignon. Et je suis du coup aujourd'hui au serre de Marcel et je m'occupe un peu de tout ce qui est mesure de croissance dans cette serre tropicale. Et je compare avec les autres mêmes cultures qui sont faites en climat tempéré, normal, à côté. Aussi bien en extérieur que sous serre froide. Oui, tout à fait. Alors, serre tropicale, pourquoi comment ? Alors, plusieurs raisons à ça. D'abord, on s'est rendu compte, tout simplement, que beaucoup de légumes étaient des plantes tropicales, bêtement, et que les consignes de culture qu'on avait en France étaient bien souvent, pour des consignes de culture, pour la gestion climatique des serres notamment, étaient en fait beaucoup plus des consignes de culture, alors je parle surtout de la gestion de la température, de la gestion de l'humidité, la manière dont on ouvre et on ferme les serres, c'est-à-dire toute la conduite climatique. Les consignes qu'on avait l'habitude d'appliquer étaient des consignes qui étaient un compromis entre les possibilités de nos serres et les besoins de la plante. Mais ce n'étaient pas forcément des conduites qui étaient optimum pour les cultures. Puisqu'en fait, on commence à se rendre compte, c'est juste un exemple, hein, par exemple, les cucurbitacées ont l'air de très bien supporter 50 degrés et 80% d'humidité. Or, on trouve aucun livre de gestion de cultures légumières où on conseille de mener les courgettes à 50 degrés et à 80% d'humidité. Donc pourquoi on ne le fait pas ? On ne le fait pas parce qu'on ne peut pas travailler dans une serre à 50 degrés et aussi parce que c'est difficile de gérer une serre à 50 degrés et à 80% d'humidité sur une partie de la journée et de la conduire en conduite plus sèche à une autre partie de la journée. Et pourtant, c'est vachement intéressant d'étudier tout ça. Alors, notamment parce qu'aujourd'hui, il y a des gens que je conseille dans les dom-toms, on a des climats tropicaux, et on essaye de développer avec vers de terre production, avec le réseau maraîchage sol vivant, on essaie de développer nos techniques de sol vivant. En climat chaud, sur le continent africain, par exemple, notamment, puisqu'on a vers de terre production IC, qui est parti au Bénin, là, il est parti hier d'ailleurs, mettre en place un dispositif expérimental de maraîchage sol vivant, à la fois sur des modalités couvertes, des modalités matières organiques mortes, pour qu'on apprenne petit à petit à développer le maraîchage sol vivant dans des contextes beaucoup plus chauds, où on va utiliser beaucoup plus de plantes tropicales. Donc on a déjà fait des essais l'an dernier, qui nous ont montré des choses très intéressantes. J'ai essayé de faire de la bibliographie sur le sujet, mais malheureusement, on en trouve très peu.
Je sais qu'il y a des agronomes australiens, anglais, américains et quelques Français qui ont travaillé sur ce sujet des conduites tropicales dans les années 60, 70, 80 et depuis on trouve quasiment aucune littérature. Vous avez cherché un peu. Pas grand chose non plus. C'est vraiment très très fragmentaire. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, donc ici aussi, c'était un sol qui était en très mauvais état biologique il y a 2 ans, comme sur tout le reste des serres de Marcel, sauf la deuxième future serre tropicale. Mais sinon, sur toutes les autres serres du site, on a fait des très gros intrants en matière organique morte. Ici, on a réussi à peu près à l'intégrer dans le sol, mais pas beaucoup non plus. Donc il y a eu un très gros intrant en matière organique morte il y a 2 ans, on a inoculé des vers de terre épigés qui se sont assez bien multipliés, et donc là on a 3 modalités principales cette année. Donc ici où on a remis du compost, bonne couche, et on a mis une bâche, là-bas dans le fond où on a remis une grosse couche de BRF, et cette partie-là où on est en couvert plus ou moins spontané, mais où on a semé du trèfle, mais il y a aussi des chardons. Pas mal de chardons, ils se développent bien les chardons. Voilà, donc on a 3 modalités principales et donc c'est assez exploratoire. On a mis un peu comme ça venait toutes les cultures qu'on plantait dans les autres serres. On est venu en planter un petit peu ici pour regarder comment ça se comportait. En parallèle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à mettre en place des automatismes pour essayer de trouver les bons automatismes pour pouvoir avoir une conduite tropicale en journée, c'est-à-dire chaude et humide, mais pas trop chaude et pas trop humide, et avoir une conduite plus sèche le soir et la nuit. Donc principalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relié l'électrovanne. Donc on est en aspersion intégrale. On a essayé des brumisateurs, mais on n'était pas satisfait, donc on est revenu en aspersion. Principalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un relais de température avec une sonde. Là-bas, dans le fond, il y a les 2 boîtiers. J'ai un relais qui empêche toute irrigation en dessous de 32 degrés. Et dès qu'on dépasse le seuil de 32 degrés, jusqu'à ce qu'on redescende en dessous du seuil de 30 degrés, à ce moment-là, on peut potentiellement commencer de l'aspersion si le taux d'humidité est trop bas. C'est-à-dire, là, on a une consigne à 70%. Elle était plus haute avant, mais... Beaucoup plus haute, ça a posé problème. Mais aujourd'hui, on l'a redescendue à 70%. Donc, ce qui se passe, c'est que dans la journée, donc la serre est quasiment fermée. On laisse légèrement entrouvert pour éviter les pics de température. Mais sinon, elle est quasiment fermée. L'idée, c'est qu'au-dessus de 32 degrés, on commence à mettre de l'aspersion si l'humidité est trop basse. Et à partir de 45 degrés, on met beaucoup plus d'aspersion pour essayer de refroidir. Sachant que ça pose problème. Alors, comment ça s'est passé? Donc, on a mis des courgettes, des concombres, surtout des tomates, de l'oignon, du maïs. Et après, beaucoup de plantes très diversifiées, on a pris tout ce qui traînait. Alors notamment des rumex, ils poussent très bien, des passiflores, de la vigne, du réfort et puis pas mal d'autres petites choses. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on a eu une petite erreur de gestion. La serre est montée à 60 degrés pendant une bonne après-midi. Donc 60 degrés, c'est quand même beaucoup. On venait juste de planter les tomates. Les tomates ont souffert. Par contre, ce qui a été vraiment assez surprenant, c'est que les courgettes qui étaient toutes petites, on sent qu'elles ont eu un peu chaud, mais en fait, elles sont très bien reparties, elles ont très bien survécu. Les plantes du couvert à 60 degrés, elles ont souffert un peu, mais globalement, elles sont reparties. C'est quand même les tomates qui ont principalement souffert. Il y avait le merisier qui n'a pas aimé la blague. Le maïs a adoré. Ça, il a vraiment adoré. Donc, ce qui est intéressant avec ce petit accident, ce qui a été intéressant, c'est de se rendre compte qu'il y avait quand même, et ça, on le savait déjà avec les essais qu'on avait fait l'an dernier, qu'il y a des plantes qui supportent au-dessus de 60 degrés. Le peu de littérature qu'on a trouvé nous dit que les cucurbitacées supportent jusqu'à 70 et qu'après elles commencent à souffrir. Mais si elles sont bien enracinées et qu'il y a de l'humidité, alors à 70 il faut vraiment qu'il y ait un niveau d'humidité très élevé, sinon ça brûle les feuilles. Mais à 80-90% d'humidité, il semble que les cucurbitacées puissent supporter 70 degrés. Alors on dit bien supporter, ce qu'on constate c'est qu'elles poussent quand même très vite. C'est pas dit qu'à 60 degrés elle pousse très vite aussi. Pour l'instant, on a eu un pic à 60 degrés. On n'a pas de serre tropicale aujourd'hui qu'on arrive à mener à 60 degrés. Mais c'est quand même très intéressant de se rendre compte qu'il y a certaines gammes de plantes qui ont supporté sans problème les 60 degrés, alors que d'autres, ça a été un peu plus délicat. Alors, est-ce qu'on a les mêmes variétés par espèce? Non, les tomates, on a beaucoup de différentes. Elles sont toutes différentes quasiment. C'est que des tomates anciennes par contre qu'on a mises. C'est que des tomates anciennes et elles se comportent toutes de la même manière. Elles n'ont pas aimé la blague.
Globalement, ce qu'on voit, c'est que qu'on ait mis du compost, du couvert ou du BRF, en visuel, ça change pas grand-chose. Il faudra le remesurer un peu plus précisément, mais en visuel, on sent que ça, c'est pas ça qui est surdéterminant. Et ensuite, ce qu'on a eu comme souci, c'est qu'on a voulu maintenir très haut l'humidité en mettant beaucoup d'aspersion. Et globalement, ça a quand même détrempé le sol. Et on a vu des courgettes qui commençaient à pourrir. On a vu les gaillets gratons qui ont commencé vraiment les racines à pourrir. Et donc là, depuis la semaine dernière, j'ai modifié les consignes. Ce qui fait qu'il y a moins d'aspersion. Et là, globalement, on sent que ça commence à se passer mieux. Bon, par contre, les tomates sont pas belles. On va les changer. Je pense qu'on va en garder, on va en garder une dizaine de pieds pour voir si elles se requinquent un peu. Mais globalement, elles n'ont pas aimé l'excès d'eau. Alors que beaucoup de plantes de couverture l'ont à peu près supporté. Les concombres, à ce stade, ils ont quand même une bonne tête. Et ce qui est impressionnant, c'est les maïs, puisque là, on a des maïs qui font 1,80 m en 7 semaines. Donc, à ce stade, ce qui a vraiment apprécié nos conduites un peu brutales, à la fois en température et en excès d'eau, bah, c'est les cucurbitacées, le maïs, les rumex ont beaucoup aimé. Le trèfle, les graminées, globalement, elles supportent bien. Il y a un pied de lierre, dans le fond, aussi, étonnamment, qui adore ça. Ça se passe très bien. Donc, on est assez surpris du résultat. C'était pas couru d'avance. Je savais que les courges aimaient bien la haute température. Mais voilà. Donc, pour l'instant, c'est assez exploratoire. Et puis, bah, je te laisse compléter sur tout ce que tu mesures. Voilà. Alors, moi, je mesure principalement les tomates, du coup, même si là, elles sont un peu en mauvais état, mais on va replanter, ça va aller. Et puis ensuite, je mesure aussi les courgettes qui sont derrière. Celles-ci, elles poussent vraiment impressionnellement bien par rapport aux témoins qui sont cultivés à côté. Il y en a certaines qui ont déjà une surface foliaire de 1 mètre carré, donc c'est assez impressionnant. Par rapport aux autres, c'est une proportion de combien ? Les autres, elles sont bien un tiers plus petites. Enfin, d'accord, donc on aurait déjà un tiers de 30% de croissance en plus. Ouais, même 60. Hein. 60. Bon. Ah oui, les autres font un tiers de celle-là. Oui, c'est ça. Ah oui, donc on a. Non, ça veut dire qu'on a trois fois plus de croissance. Après, voilà. C'est significatif. Il y a les concombres aussi qui poussent très très bien par rapport aux autres témoins, justement. Là, aujourd'hui, on a mesuré des croissances de 30 cm sur certains d'entre eux en une semaine. Donc c'est assez impressionnant. Et après on va essayer de calculer les rendements aussi pour voir si c'est productif, mais ça semble assez florissant pour l'instant. Donc le seul hic pour l'instant, c'était les tomates qui n'ont pas apprécié du coup les hautes températures et le sol détrempé qu'il y a eu, parce qu'on cherche toujours à trouver la bonne gestion de l'irrigation, de la température. C'est un peu exploratoire ce qu'on fait. Et donc on va peut-être trouver après une méthode pour cultiver les tomates en climat tropical qui convient bien. Mmh. Oui, ça a l'air plus sensible. Mais on va replanter une série, puis on va voir ce que ça donne. Et la vigne a l'air d'aimer impressionnamment bien le climat tropical, puisqu'on l'a. C'était une... La vigne qui est là, c'était une vigne en pot, grande comme ça. Et elle a déjà fait des pousses. Ouais, je sais pas, presque un mètre. Voilà, en deux mois et quelques. La passiflore aussi a l'air de vraiment vraiment bien aimer. Et les oignons, tu as commencé à faire des mesures aussi ? Ouais, les oignons, je les mesure aussi. Je mesure leur croissance. Donc eux, ils sont sur BRF seulement, semés à la volée, et ils ont une croissance très rapide par rapport à leurs camarades qui sont en, à peu près qui sont en serre froide. Juste, par contre, on observe que elles jaunissent un peu au bout des feuilles. C'est sans doute l'excès d'eau aussi. C'est peut-être l'excès d'eau, mais ça n'a l'air pas beaucoup d'impacter la croissance, parce qu'ils poussent toujours beaucoup. Mais voilà, c'est à surveiller et à regarder. Donc voilà, pour l'instant, c'est assez exploratoire. On va continuer de mettre plein de plantes différentes. Alors, on observe déjà beaucoup de choses, parce que comme on a beaucoup d'adventices, on a aussi des pissenlits, des rumex, etc. Alors, on ne les mesure pas forcément, mais on voit bien quand même les différences de croissance, la vitesse à laquelle ça pousse. Et il y a aussi Flavien qui nous fait un essai de fauche de couvert là. Donc il y a un couvert qui est fauché toutes les semaines, l'autre tous les deux semaines, et l'autre qui n'est pas fauché du tout. Et on regarde à quelle vitesse poussent les trèfles par rapport aux autres serres. Et déjà à ce stade, bah, évidemment, ça pousse beaucoup plus vite. Sauf que comme on a mis un peu trop d'eau au début, le trèfle n'a pas forcément aimé trop la blague. Les systèmes racinaires ont un peu pourri. Les graminées ont beaucoup mieux supporté l'excès d'eau. Bref, c'est encore un peu là aussi à... Enfin, il faut qu'on cale l'itinéraire technique et qu'on cale le protocole. Donc voilà. Et ensuite,
dans pas longtemps, cette semaine, si on a le temps, on va mettre en route une deuxième serre tropicale. Alors pourquoi ? Donc ici, on est sur un tunnel de 8 mètres de large, avec déjà une reconstruction biologique des sols avancée, puisqu'il y a beaucoup de vers de terre, ils se plaisent bien. On sent que quand il fait trop chaud, en fait, les vers de terre, ils vont se planquer dans le fond. Et puis quand la nuit, ça se radoucit, ils remontent un peu, on les voit se balader un peu sous les bâches. Ouais, ce matin, il y en avait partout. Hein, ce matin, ah, oui. Donc on voit qu'avec les vers de terre, ça se passe bien. On ne sait pas si on a des anéciques dans cette serre, ce qui serait un plus pour pour l'eau, pour avoir des sols moins hydromorphes. Mais on est déjà donc sur un sol relativement bien reconstruit, avec une serre de 8 mètres de large, qui a une certaine inertie thermique. Puisqu'en fait, quand on essaye de faire monter la température de la serre, qu'est-ce qu'on fait ? On ferme la serre et on la laisse monter en température. Cette serre, elle a une certaine déperdition thermique, qui dépend bon, bah, évidemment de son revêtement, si c'est du verre ou du plastique, mais qui va vraiment dépendre du ratio entre sa surface de perte calorifique et son volume. Donc plus on va être sur un grand tunnel, plus on va avoir un ratio perte divisé par volume qui va être petit. Donc plus la serre est grande, plus on peut monter en température la serre. Cette serre-là, je pense que si on la ferme complètement, on doit pouvoir avoisiner les 70 degrés l'été, quelque chose dans ce goût-là. Alors que j'ai fait l'an dernier des essais sur des petits tunnels fraisiers de 4 mètres de large et on dépassait très difficilement les 45-50 degrés. Pourquoi ? Parce que sur un tunnel moins large, eh ben, on a un ratio surface de perte de température, de perte de chaleur, divisé par volume, qui est beaucoup plus important. Donc un ratio surface par volume qui est beaucoup plus important sur un petit tunnel. Et donc il y a beaucoup plus de déperdition thermique, et donc le tunnel au final monte beaucoup moins en température. On le voit aussi parce qu'en fait dans la journée, ça pleut beaucoup plus dans les petits tunnels. C'est-à-dire comme il y a de la perte, il y a de l'eau qui se condense, qui fait des gouttes, et ça n'arrête pas de pleuvoir toute la journée. Ça le fait ici aussi, mais ça le fait beaucoup plus dans les petits tunnels. Et donc là juste à côté, on a un petit tunnel fraisier qu'on va conduire en climat tropical. Et ce tunnel fraisier est aussi comme avantage pour nous d'être une des dernières serres où le sol est complètement mort et n'a pas été restructuré biologiquement. Donc l'intérêt, ça va être quoi ? Bah, ça va être de mener une expérimentation de A à Z sur plusieurs années où on va uniquement s'appuyer sur les plantes vivantes, les couverts végétaux, pour restructurer le sol sans apport de matière organique morte. Quel est l'intérêt de ça ? Bah, là aussi, c'est de pouvoir aller amener des stratégies de reconstruction biologique des sols dans des pays chauds, où il n'y a pas de filière de matière organique, où il n'y a pas le matériel, les épandeurs, les tracteurs, les télescopiques, pour aller épandre de la matière organique et reconstruire les sols, mais de s'appuyer sur une ressource qui n'est pas rare dans certains contextes, à savoir le soleil. Alors évidemment, il faudra de l'eau. On peut même imaginer, c'est envisageable, d'avoir des serres complètement fermées, où on provoque la condensation avec je ne sais pas trop comment, mais où on récupère l'eau de condensation pour la stocker et réirriguer uniquement avec cette eau de condensation. C'est-à-dire être dans des systèmes de serres complètement fermés, puisqu'en théorie, si la serre est complètement fermée, si on arrive à réguler la température dans une serre complètement fermée, soit par des ombrages ou par la forme de la serre ou les deux, eh ben on peut imaginer une serre en fait où le cycle d'eau est complètement fermé dans la serre et où en fait la serre ne consomme absolument pas d'eau. Et donc bah évidemment ça peut être utile dans des régions où il n'y a pas beaucoup d'eau pour irriguer. Donc voilà, on est en train de travailler là-dessus. Et qu'est-ce qu'on a prévu comme plante ? On va mettre un peu de trèfle partout quand même. Ouais, c'était ça l'idée. C'était l'idée. Et puis bah on avait plein d'annuelles, des graminées, du seigle, de l'avoine. Est-ce que je t'ai ramené d'autres ? Je ne sais plus. Enfin, il y a plein de choses. On va essayer plein de plantes différentes. Et ça va nous permettre de... Donc, c'est surtout des couverts annuels de grandes cultures qu'on a trouvés. Et donc là, ce qu'on va tester, c'est des semences de couverts annuels de grandes cultures. Donc, pas des plantes qui se repiquent, mais aussi des plantes qu'on va qualifier de géantes. C'est beaucoup de grandes plantes. Des maïs, des seigles, des avoines, du blé, on a des oignons aussi. Voilà, on va essayer surtout de la semence de couverts de plantes annuelles qui sont utilisées en grande culture parce qu'il y a beaucoup de grandes plantes et c'est de la semence qui ne vaut pas cher. Donc c'est possiblement des cultures intéressantes si on veut en faire des grandes surfaces et que ça ne coûte pas trop cher en semence. Bon, ceci dit, le trèfle, c'est pas très cher non plus. Alors en fait, ce qu'on n'a pas pu tester, on ne peut pas tester dans ces serres-là des plantes gélives. Enfin, des couverts gélifs,
donc des plantes pérennes qui survivent en climat adaptées au climat tropical mais gélive, on ne peut pas les tester. Donc nos couverts permanents sont obligés d'être des plantes qui résistent au gel parce que l'hiver il va geler dans la serre. Et pour l'instant, on n'a pas été chercher de culture, on n'a pas essayé de culture vraiment spécifique qu'on trouve aujourd'hui que dans les productions de pays chauds, comme le manioc ou je ne sais pas quoi, mais la plupart de nos plantes légumières sont quand même des plantes tropicales. Donc on va quand même essayer de la patate douce aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre cette année? Déjà entre courge, tomate, aubergine, poivron, haricot, patate douce, ça va quand même faire une bonne gamme de plantes tropicales à essayer. Mais on n'a pas essayé les bananiers, on n'a pas essayé ce genre de choses. On a les pommiers. On a des pommiers, on va essayer les pommiers. Voilà. Voilà. On risque d'être assez surpris, on va essayer un peu les arbres. On risque d'être assez surpris que certains arbres en fait supportent très bien les hautes températures. Voilà, voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Et puis, oui, déjà cet été, je pense qu'on aura beaucoup, beaucoup de résultats sur les vitesses de croissance. Et puis sur comment on a réussi à améliorer la gestion des serres. On pourra vous en dire un peu plus sur les bonnes consignes à donner et la différence entre ce tunnel qui fait 8 mètres et le petit tunnel qui fait 4 mètres. Voilà. Merci à tous. Voilà, on vous a fait aujourd'hui un bon tour d'horizon de tous les essais qu'on mène, enfin pas tous, d'une partie des essais qu'on mène au Serre de Marcel, puisqu'il y a, certains essais que je ne vais pas présenter aujourd'hui parce que c'est la première année qu'on les fait. Donc pour l'instant, c'est encore très exploratoire et on risque de ne pas avoir beaucoup de résultats cet été parce qu'on a un peu trop de risques que ça ne marche pas. Mais voilà, tous les essais qu'on vous a présentés aujourd'hui, il y a des chances que cet été, on ait des résultats très intéressants et très instructifs pour apprendre à mettre en culture des cultures légumières en maraîchage sol vivant. Voilà, donc rendez-vous cet été.